cet vrai plaisir de vous accueillir ici à Bruxelles, au Presse-Club. Un lieu qui va jouer un rôle, j'espère, très positif dans le futur, dans les relations Congo-Belgique, car médias et communication, c'est le mot fort ici au Presse-Club. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons, parce que je suis sûr que les relations Belgique-Congo, Congo-Belge, les relations Congo-Union européenne, comme d'ailleurs avec l'Afrique entière, vont vraiment entrer dans une nouvelle phase. Et cette phase, elle est à définir. Elle est à définir d'une part ici, d'une part en Afrique. Et je me réjouis de voir comment ce futur va être construit. Parce que ce n'est pas un futur qui va être imposé d'une partie ou de l'autre, mais c'est un futur qui peut être positif que si c'est un partenariat entre tous ensemble. Voilà, mais ce n'est pas mon moment de discours. Je voulais juste vous souhaiter le bienvenu. Et c'est avec plaisir que je passe la parole à Dan Charibert. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans notre presse-club. En tant que membre du board, évidemment, nous souhaitons tous les bienvenus. Car aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un jour, ça fait partie des jours spéciaux, en fait, parce qu'il y a des anciens collègues, parce que ce n'est plus les collègues, hein, maintenant. Je commence d'abord par le vice-ministre, évidemment, hein, qui se trouve de l'autre côté aujourd'hui. Eric Bindou, qui est un ancien collègue, qui est chez lui, car il a été, Eric Bindou était membre de notre presse, était membre de notre conseil d'administration. Eric, si vous devez revenir, il faut être élu, hein. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas faire de campagne. Et le professeur Kazongo, en tant que porte-parole, évidemment, quand on est porte-parole, on n'est plus journaliste non plus. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole aux journalistes. Plutôt, d'abord, je passe la parole à Eric, qui va reprendre, disons, son rôle de MC. Je peux oser être aussi léger. Oui, puisqu'on est entre nous, hein. On est entre personnes familières pour un certain nombre d'entre nous. Merci en tout cas, Dacha. Merci pour ce mot introductif et merci de nous avoir invités ici, puisque vous êtes l'hôte parmi les autres, vous, Grégor, et tous les membres du Presse Club Bruxelles Europe, qui est donc cette maison de la presse ici au cœur de la capitale européenne. Alors, avant toute chose, merci à tous d'être là, d'être venus aussi nombreux. À cette occasion, on sait que vous avez été prévenus, parfois pour certains en dernière minute, hein, donc vous êtes là, vous avez été patients. On a le plaisir et l'honneur, comme je disais, d'avoir avec nous le ministre, son Excellence Patrick Muyaya, ministre de la Communication, des Médias et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. À ses côtés, le professeur Kasongo Mouima Yamba, porte-parole du chef de l'État. Donc ce sont deux paroles autorisées qui aujourd'hui sont ici à Bruxelles pour échanger avec vous, avec les membres de la presse, les membres de la communauté congolaise de l'Europe et de Belgique en particulier, sur toutes les questions d'actualité qui concernent notre pays, parce que, bien sûr, il faut toujours bien communiquer pour bien se faire comprendre, parce que souvent, les problèmes naissent d'une mauvaise communication, en tout cas, d'une incompréhension mutuelle. Alors, on va parler des relations entre la Belgique et le Congo, entre le Congo et l'Union européenne. On va parler aussi de la situation en Belgique, pardon, de la situation au Congo, excusez-moi, de la situation au Congo, avec récemment, bien sûr, la mise en place de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, mais je crois que c'était simplement parce que les gens n'ont pas compris très bien le processus tel qu'il a été établi, et je pense que les deux éminences qui sont là pourront clarifier toutes les questions que vous posez à cet effet. On va parler aussi de la position internationale de la RDC, avec récemment
deux déplacements importants du président Tshisekedi, notamment à Rome pour le sommet du G20 et à Glasgow pour le sommet de la COP26, où on a mis en avant le rôle important que joue la RDC dans la transition énergétique, dans l'enjeu climatique mondial. Alors, sans plus attendre, comme je sais que vous avez été patient, vous mourrez d'impatience d'avancer, je vais passer la parole à son Excellence le ministre Mouyaïa, qui va faire un mot d'introduction, et ensuite ce sera l'échange questions-réponses avec vous. Merci. Monsieur le ministre, vous me permettez, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, cher Eric, de ces mots introductifs. Merci à Grégory et à Nathien qui nous reçoivent au Presse-Club de Bruxelles. Ça me donne des idées parce que je pense que Kinshasa devrait aussi avoir un Presse-Club parce que c'est... Je pense que c'est une plateforme qui est utile dans un contexte où nous voulons promouvoir la démocratie, qu'il y ait des espaces d'échange et d'interaction qui permettent aux uns aux autres d'être informés. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici en ce moment. Je reviens de pas mal de voyages, accompagné le président de la République à Glasgow, en Israël, à Rome, et puis récemment à Paris. Mais je me devais de m'arrêter ici en Belgique pour que, pour la première fois, je puisse échanger avec vous, parce qu'il y a beaucoup de choses... que nous aurons à faire dans l'avenir. Vous avez parlé tout à l'heure de rapports entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Vous voyez que les rapports sont plutôt très très chauds. Il était prévu une visite du roi cette année, mais malheureusement, nos contraintes du Covid n'ont pas permis. Mais ça le sera sûrement, ça se confirmera en début janvier pour amener notamment les reliques de Lumumba. Vous avez suivi aussi tout ce qui se prépare pour ce qui concerne la restitution de certaines œuvres à Kinshasa, on s'apprête pour les accueillir. Et donc, de ce côté-là, il y a une véritable chaleur qui règne entre les pays. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une délégation d'hommes politiques belges qui séjourne actuellement à Kinshasa. Ils ont même été reçus par le président samedi. Et j'ai vu d'ailleurs André Flao à l'intérieur. Aujourd'hui, la conversation, nous la voulons interactive autour de ce que moi j'appelle changement de narratif qui s'est mis en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis 6-7 mois, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place, un gouvernement dit des Warriors, dirigé par un premier ministre qui a 44 ans et qui comprend deux ministres dont la moyenne d'âge se situe en dessous de 45 ans. L'idée, c'est de dire, après s'être sorti de ces rapports qui étaient assez difficiles entre le Front commun pour le Congo et les quatre pour le changement, aujourd'hui, la République est plongée dans un contexte qui est totalement différent. Nous avons commencé à parler du nouveau narratif. Dans les prochaines minutes, sûrement dans la salle, on vous partagera un document que nous avons préparé et qui résume plus ou moins les axes de l'action du nouveau gouvernement. Alors, en termes de mots introductifs, je voudrais dire rapidement deux, trois mots sur ce qui se passe depuis cette nuit dans le Rutshuru, à l'est de la République démocratique du Congo, ex-bastion du M23. Il y a une visière, les positions de forces armées de la République démocratique du Congo ont été attaquées. Et je crois qu'en ce moment, il y a une riposte qui est organisée. Les ministres de la Défense sont dans la zone. Les chefs d'état-major général l'est aussi. Je crois que nous mettrons en place une plateforme qui nous permettra de vous communiquer les informations au fur et à mesure que l'information va évoluer. Mais c'est dans une zone stratégique située dans la frontière entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Je crois que dans la journée, nous aurons suffisamment d'éléments qui nous permettront d'enrichir les informations à ces propos. Et donc, cette situation, malheureusement, arrive au moment où il y a l'état de siège dans cette partie du territoire national. Nous avons entendu beaucoup de choses à ce sujet, mais il faut savoir que cette partie de la République démocratique du Congo connaît ces genres de situations depuis bientôt deux décennies. Je ne dirais pas on a tout essayé, mais on a tout fait. Mais là, le président de la République a décidé d'utiliser un mécanisme constitutionnel qui est en fait l'antichambre d'un état de guerre. Pourquoi ? Parce que trop de morts. Vous avez vu les violences les plus exécrables commises sur nos femmes, nos jeunes filles. Je vous épargne des dégâts qui sont causés notamment dans l'écosystème parce que la plupart de ces groupes armés opèrent en plein parc de Virunga, patrimoine protégé de l'humanité. Donc, il fallait bien que cette situation cesse. Et donc, le président de la République a décidé, c'était la première décision que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement, de
l'instauration de l'état de siège dans ces deux provinces. Et depuis, l'état de siège a commencé à se mettre en place parce que, en état de siège, le pouvoir est conféré aux militaires. Pourquoi on recourt aux militaires et aux policiers? C'est parce que la nature de la menace, la nature des questions qui motivent cet état de siège n'est plus à la portée des autorités civiles et que cela requiert un suivi étroit parce que, comme vous le savez, c'est l'armée qui est plus structurée, plus organisée pour faire face à ces genres de situations. Alors, depuis 8 mois, nous entendons beaucoup de critiques à ces sujets disant que l'état de siège, il y a des morts pendant l'état de siège et tout ce qui est dit à ces propos. Nous n'avons jamais dit au départ que l'état de siège mettrait automatiquement fin aux tueries. Mais l'état de siège marque la fin de ces tueries. Parce qu'à travers l'état de siège, il y a une réappropriation et un suivi plus étroit. Je vous donne un exemple. Le mois d'août dernier, nous étions en Ituri avec le Premier ministre. La coordinatrice des opérations humanitaires là-bas nous a dit que ce que votre gouvernement fait en 2 mois, nous ne l'avons jamais vu en 20 ans. Le président de la République était à l'Ituri, j'étais du voyage, et le président de la République lui-même, dans la communication qu'il avait faite, il avait reconnu qu'il y avait des difficultés au niveau de l'armée, et qu'il y avait des choses qui sont à considérer comme le monstre du passé auquel nous devons encore faire face, mais qui font aujourd'hui l'objet d'une analyse minutieuse et approfondie. Le Premier ministre avec qui nous étions dans la région, nous avons cette fois-ci été visiter les militaires qui sont blessés. Nous avons cette fois-ci essayé de regarder les circuits d'approvisionnement. Je pense que là, aujourd'hui, il y a une véritable reprise en main de la question. Et nous pensons que la stratégie mise en place, notamment l'amélioration des rapports avec la mission de Nations Unies RDC, la MONUSCO, est un élément crucial qui va nous permettre, je l'espère, dans un avenir proche, d'arriver à la solution. Je vous en dirai plus, évidemment. Je vous laisserai poser des questions à ces propos. Parallèlement, nous avons mis en place un programme DDRCS, donc désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et communautaire, avec cette fois-ci l'idée que tous ceux qui ressortiront de groupes armés soient reversés dans la vie civile. Parce que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, entre autres dans l'armée, c'est du fait qu'il y a eu des brassages, des mixages, des éléments qui se sont en train de mélanger, qui ne donnent pas toujours de bons résultats à la fin de la journée. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de commencer un processus qui permet de réintégrer ces éléments dans la vie civile. Alors il y a un coordonnateur qui a été désigné et qui a séjourné dans la région parce qu'il va se déployer dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, du Maniema, du Sud Kivu et une partie du Tanganyika, les régions qui sont les plus touchées, pour être sûr que dès là, des actions militaires qui seront portées, qui est des choses qui sont faites pour amener ces jeunes à la vie civile. Des groupes armés, il y en a une centaine qui les sont pour de motivations diverses, mais nous avons de groupes étrangers, les LIF particulièrement, qui sont venus de l'Ouganda, qui y ont clairement démontré leur ambition d'instaurer une forme de califat dans la région. Vous avez vu le 27 juin dernier une attaque kamikaze dans une église, et donc c'est du terrorisme pur qui doit être combattu avec les méthodes que cela requiert. Mais cela dit, c'est des questions qui sont prises en charge, mais qui requièrent du temps. Mettre en place des stratégies, reconditionner les unités de l'armée, mais nous sommes sûrs que nous sommes engagés sur la bonne voie et que nous allons y arriver. Il y a eu beaucoup de craintes au départ de l'état de siège, parce que les gens craignaient notamment pour la situation des droits de l'homme et tout le reste, mais vous avez vu qu'au bout de 6 mois, il n'y a pas eu ce que les gens craignaient au départ. Et qu'aujourd'hui, tous les rapports documentés, que ce soit par la MONUSCO ou les différentes organisations non gouvernementales qui travaillent dans les secteurs, ils vous diront que les groupes armés sont les plus grands responsables de morts qu'il y a actuellement. Nous les déplorons, mais cela ne rend en rien notre détermination à y mettre fin. Notre sujet, donc, qui justifie justement notre séjour dans ces terres européennes, c'était la conférence sur le climat à Glasgow. Et donc, pour la première fois, la République démocratique du Congo a pris part à ces travaux au niveau le plus élevé. C'est la première fois que le président de la République démocratique du Congo participait à cette conférence climatique. Et nous sommes partis là-bas en pays solution. Il n'était pas seulement question de dire que nous avons de forêts,
que notre bassin est le plus impressionnant, mais il était aussi question de présenter notre contribution pour faire davantage. On parle d'adaptation, on parle d'atténuation. Et nous, nous pensons que la République démocratique du Congo, nous avons un rôle à jouer. Ceci procède aussi du changement de narratif, parce que le plus souvent, la République démocratique du Congo a été vue comme un pays à problème. Aujourd'hui, nous pensons que tous les pays du monde ont des problèmes, mais pour la question climatique, qui est une préoccupation première pour toute l'humanité, nous pensons détenir la solution. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est juste pour les nations qui sont reconnues comme pollueurs, sont en mesure de rétribuer, de donner la contrepartie qu'il faut pour permettre à nos populations qui vivent essentiellement de la forêt, parce qu'ils font des charbons, parce qu'il faut casser, couper les arbres pour faire des pirogues, qu'ils puissent trouver la contrepartie nécessaire. Alors, lorsqu'on parle de la préservation du climat, on parle aussi de la transition écologique. La transition écologique ici, c'est essentiellement le cobalt, le lithium. Nous avons les 80 ou les 70% des réserves mondiales en termes de cobalt. Donc, de ces points de vue aussi, nous pensons que nous devons nous positionner dans notre rôle de pays solution pour être sûr que nous fournissons au monde les ressources nécessaires pour régler les défis, à mon avis, le plus grand de l'humanité actuellement. L'autre sujet, c'est à propos des élections. Alors, beaucoup de choses ont été dites à ces sujets, notamment dans le processus des désignations. Mais je voudrais être court pour vous laisser le temps de poser des questions. Que ce qui s'est passé récemment n'est en rien comparable à ce qui s'est passé en juillet de l'année dernière, pour ce qui concernait le cas de Ronsard Malonda. Parce que là, ce n'était pas un sujet qui était prévu à l'ordre du jour, et on a amené un procès verbal d'enterrement qui ne concernait qu'un seul individu. Dans les processus qui étaient passés, il y a eu 12 procès verbaux de toutes les composantes qui ont été régulièrement préparés. Il y a eu une grosse difficulté au niveau de la composante confession religieuse qui avait le devoir de choisir le candidat président, qui avait le devoir de choisir le président de la CENI. Alors, il y avait des mécanismes internes qui ont fait qu'en dernier ressort, il y avait deux candidats. Il y avait un tri qui avait été fait au préalable, qui a permis d'avoir en dernier duel Denis Kadima et M. je crois Cyril Ebotoko qui a été présenté par les catholiques, je pense. Et il n'y a pas eu de consensus. Il y a eu le groupe des 6 confessions religieuses qui s'est aligné autour du dernier de Denis Kadima. Et il y a eu, à mon avis, 3 ou 4 réformes. Le processus semblait s'enliser, non pas forcément parce qu'il y avait cette question électorale, mais parce que j'ai eu la nette impression qu'il y a d'autres questions liant les confessions religieuses qui ont été remis en surface. Ça faisait 4 mois que ça durait, et nous tous, aujourd'hui, nous savons que tenir les délais légaux pour la tenue des prochaines élections commençait à devenir un peu difficile. Et donc, le président de la République a décidé d'entériner le choix qui a été fait suivant le rapport qui lui a été transmis, la désignation de Denis Kadima, pour nous permettre de déverrouiller le processus électoral et d'avancer. Parce que les signaux qui ont été donnés par les 8 confessions religieuses n'étaient pas de nature à nous garantir que même si on faisait un report de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ils seraient en mesure de s'entendre. Parce que dès lors qu'on pensait que les autres étaient corrompus et qu'il y avait des soupçons qui n'ont du reste pas été étayés, c'était difficile de continuer, nous, comme gouvernement, à rester dans cet état, parce que finalement, ce ne sont pas les confessions religieuses qui porteront devant le peuple la responsabilité d'un quelconque glissement du calendrier électoral. Nous tous, nous savons que dans ce pays-là, la crise des légitimités est une crise qui est finalement à la base de tout ce que nous connaissons, et que nous pensons que le processus électoral qui vient d'être un processus électoral crédible, transparent, qui permettra au pays de faire de bon en ce qui concerne la question démocratique. Et donc, de ces points de vue, le président de la République a montré l'ouverture pour dire, voilà, les pays, les organisations internationales peuvent dès maintenant s'impliquer pour voir dans quelle mesure on construit les processus. Nous tous, nous savons qu'il n'y a pas eu de consensus dans la désignation du président, mais nous pensons aussi que le processus électoral est trop grand pour penser que seul un homme peut en disposer. Qu'aujourd'hui, si toutes les plateformes s'impliquaient, nous avons la possibilité de continuer, y compris les églises, parce que nous comptons beaucoup sur l'église, nous sommes
des partenaires, que ce soit dans l'éducation, que ce soit de la santé. Il ne faudrait pas que cette forme de brouille qui a eu entre confessions religieuses ne vienne entraver les rapports que nous voulons cordiaux avec les églises pour nous permettre d'avancer dans le processus électoral. Alors, je veux terminer mon propos en parlant d'économie, parce que vous savez, la République démocratique du Congo est un pays riche potentiellement, mais dont les revenus par habitant est assez faible. Et de ces points de vue, je dois mentionner que pour la première fois depuis 12 ans, on a repris le programme avec nos partenaires traditionnels de Bretton Woods, le Fonds monétaire international. Et ce programme nous a permis d'avoir accès à un appui de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Ce n'est pas beaucoup par rapport à l'étendue de nos besoins, mais c'est un signal qui démontre qu'il y a une volonté politique en interne d'améliorer la gestion de nos ressources. Je crois que vous avez remarqué qu'il y a des processus en interne qui permettent notamment de rééquilibrer les contrats chinois, le contrat au plan minier. Donc il y a une volonté de nous approprier toutes les questions qui vont nous permettre d'améliorer les revenus de l'État et de répondre aux préoccupations de la population. Il y a l'inspection générale des finances qui a été mise en contribution. Et donc aujourd'hui, une dizaine des mandataires publics ont été remplacés parce que n'ayant pas dépensé suivant le nombre qu'ils aient. Donc il y a cette pression qui s'exerce sur tous ceux qui gèrent les fonds publics pour que nous soyons sûrs que nous combattons suffisamment la corruption et que nous dégageons les ressources qui puissent nous permettre d'avancer et d'avancer dans les différents projets de développement. Voilà, en liminaire, cher Eric, ce que je pouvais dire pour introduire. C'était un peu lent, mais on parle d'un pays immense, grand comme toute l'Europe de l'Est, et qui comprend aujourd'hui des enjeux qui concernent l'humanité. Donc, je me devais d'être un peu plus lent dans ces phases introductives. Nous pourrons évidemment répondre aux différentes préoccupations pour apporter plus de lumière. Je vous remercie pour votre attention. Ok, alors on va passer au dernier morceau, c'est-à-dire la question de la sécurité, en tout cas des menaces d'insécurité à l'Est. Alors si vous pouvez nous dire, vous l'avez fait au départ, cette rencontre, déjà faire le point sur les derniers événements à l'Est, les nouvelles d'excursions qu'il y aurait eu durant la dernière nuit, donc au Nord Kivu, et puis aussi peut-être rappeler les choses, je dirais pas une bonne fois pour toutes, parce que la répétition c'est la mère des sciences, hein, il faudra encore le faire souvent, sur le bien fondé de l'état de siège. Et après on terminera sur la question particulière du parc des Virunga. Allez-y, monsieur le ministre. Alors sur le bien fondé de l'état de siège, c'est que la question sécuritaire, elle est de loin mieux prise en charge que ça y était par le passé. Et je disais, il y a quelques jours, hier, j'avais d'ailleurs un débat passionnant avec Mme Wendy ici et les amis de la lucha sur le sujet. Je ne sais pas si on s'est accordé, elle nous dira. Mais l'état de siège nous permet aujourd'hui de suivre au quotidien la situation qui se passe là-bas. L'état de siège, le président de la République l'a dit, si vous regardez les nombres des missions de ministres qui sont partis dans les provinces sous état de siège, il n'y en a pas eu deux. Je disais tout à l'heure que le coordonnateur des humanitaires dans l'Itour a dit, c'est que vous avez fait un demandage à l'écrit. On comprend les frustrations de nos populations qui veulent tout de suite qu'il n'y ait plus de mort. C'est normal. Mais pour qu'il n'y ait plus de mort, il y a des choses qui doivent être faites en amont. Dans un contexte, dans une partie du pays où il y a presque des tissus de l'État à la base. Disons les choses franchement. Donc, l'état de siège pour nous, c'est une thérapie de choc qui permet d'isoler la question sécuritaire, la régler. Avant de régler les questions sociales, économiques, tribales et toutes les autres qui sont liées. Parce que quand vous avez 120 groupes armés dans une région, vous comprenez que les motivations sont différentes. Et donc, pour nous, quoi qu'il en soit, les objectifs des départs de l'état de siège, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres alternatives. Parce que c'est les mécanismes qui nous permettent d'avoir les suivis le plus étroit possible de la situation. Les résultats, je l'ai dit, ça s'est construit. Nous avons une armée, Madame Kounda l'a dit tout à l'heure, il a parlé des officiers, mais nous avons une armée qui doit aller en opération. J'ai discuté de ça avec des officiers belges
qui me disait, mais vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas être en train de réformer une armée en opération. Mais nous faisons en même temps la réforme de l'armée. Nous luttons contre le fantôme du passé ou de corruption ou de mafia dans l'armée. Nous faisons la formation en même temps que nous sommes en opération. C'est beaucoup trop. Nous avons la mission de la Nations Unies, ça fait 20 ans. Vous étiez dans la région, je ne sais pas si vous étiez à Beni, à Mavivi. Vous allez voir l'important dispositif de la MONUSCO qui est sur place. Et vous allez vous poser la question, pourquoi l'insécurité demeure? Mais ce n'est pas du devoir de casque bleu d'aller dans nos forêts, mourir dans nos forêts. Je suis désolé. Nous, comme gouvernement, nous pensons, c'est pour ça que nous avons lancé la campagne Bendele Koyate, pour que nous puissions apporter le soutien qu'il faut à nos militaires. Bon, on peut ne pas avoir des bons rapports avec l'armée, on peut ne pas du fait du comportement de certains dans les passés, encore que l'armée est en pleine purge, on ne peut pas dire qu'on ne soutient pas nos militaires, ou que nos militaires sont des violateurs, je ne sais pas si le terme est bon, des droits humains reconnus, parce que c'est cette généralisation abusive qui veut faire croire que notre armée est une armée à problème qui ne peut jamais régler les problèmes de sécurité du pays. C'est totalement faux. Mais malheureusement, c'est un travail qui prend du temps. Nous demandons de la patience. Et nous voulons que toutes les ONG qui opèrent sur le terrain, parce que c'est aussi cela le problème, pourquoi nous voulons changer le narratif? Parce que pourquoi on doit résumer 2 345 000 km² de la RDC à ce qui se passe dans un territoire qui ne dépasse même pas 2 000 km². Ce n'est pas que nous minimisons nos morts ou ce qui se passe là-bas, mais parce qu'on peut aller investir dans le Nord Kivu. Vous venez de la région. Le plus bel hôtel du pays a été construit pendant cette période là-bas, qui appartient à un Congolais. Dans cette région, à Virunga, le ministre du Tourisme est là. L'électricité est vendue par des privés. C'est là-bas. Alors, est-ce qu'on ne peut pas commencer à raconter une autre histoire? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à relever qu'il y ait de progrès? Regardez, récemment, il y a une initiative de Dr Mukwege. Le Dr Mukwege, la première dame, ensemble, travaille avec un fonds de réparation des victimes. On parle de justice transitionnelle. Vous êtes très au courant de ces dossiers, sûrement que vous avez suivi. C'est une première. Le Dr Mukwege, qui, il y a quelques années, ne pouvait même peut-être pas siéger avec les autorités publiques. C'est une avancée. Ça procède du changement de narratif. Mais pourquoi on veut toujours se focaliser sur ce qui est négatif et ne pas parler de ce qui avance? Les ONG, leur objectif n'est pas différent d'une. C'est de régler les problèmes. Mais il faut aussi rendre le crédit là où il est dû. Ce n'est que de cette manière qu'on va commencer à avancer. Pour revenir sur la situation d'aujourd'hui, mais il y a des mouvements résiduels. Il y a des nostalgiques, des réfractaires qui veulent passer des messages, qui pour passer des messages recourent aux armes. Mais vous savez que cette question, les questions de groupes armés, nos pays voisins sont impliqués parce que les ADF viennent de l'Ouganda, les FDLR viennent du Rwanda. Mais c'est pour ça que le président, quand il s'est installé dans la région, il a reçu à la fois le président Kagame et Museveni, parce que nous pensons que la solution définitive à cette crise de l'Est doit être construite avec nos pays voisins. La région qui est concernée aujourd'rui par le problème de Rutshuru, c'est une région montagneuse, Tchanzu, c'est une région montagneuse, les plus hauts sommets entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Vous savez aussi quelle est la nature des relations qu'il y a aujourd'hui entre le Rwanda et l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a des questions qui sont très sensibles, qui doivent être prises en compte en même temps. Mais ici, Christian Lusakweno, le ministre de la Défense, les ministres de l'Intérieur, les chefs d'état-major général sont sous place. Les moments venus, c'est par Top Congo que nous passerons pour vous donner les derniers éléments du terrain. Parce qu'il faut aussi communiquer. Mais il faut communiquer pour dire ce qui se passe réellement pour que le Congolais puisse être bien informé et ne tombe pas sur le piège de la panique qui, parfois, est répandue à la vitesse des réseaux sociaux. Merci. Merci. Alors, on va parler de la question. Merci beaucoup, monsieur. De la question particulière du parc d'Iberunga. Mais avant ça, je voudrais interpeller aussi le professeur Cassandre Bouema en tant que porte-parole du président. On se souvient que, dès sa prise de fonction, le président Tshisekedi avait dit que il sera en quelque sorte jugé sur son engagement à rétablir la sécurité et la paix à l'est du Congo.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur cet engagement fort du président et où ça en est aujourd'hui? Mais l'engagement est toujours aussi fort. L'engagement est toujours aussi fort. Monsieur le ministre vient de rappeler la présence du président de la République dans les lieux où ça a bardé à un certain moment. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas stabilisé. Je me rappelle la première fois où nous sommes allés avec lui en Ituri. Nous avons voyager sur une route qui venait à peine d'être sécurisée. Je me rappelle, c'est Tango Fort qui venait d'être envoyé là-bas, je crois, une semaine ou une semaine et demie avant. Donc, pour dire tout simplement que l'engagement est toujours aussi fort, que ce soit sur le plan des hommes, il y a des restructurations internes qui se font, mais également un engagement sur le plan financier. Ça coûte de l'argent de maintenir nos troupes dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui. Et en même temps, c'est aussi un engagement que le président prend vis-à-vis, et vous avez bien fait de le rappeler, vis-à-vis des voisins. Et il ne vous sera pas passé inaperçu qu'à peine installé au pouvoir, le président de la République, l'une des premières missions qu'il a accomplies, c'était dans les pays limitrophes, pour rassurer les voisins, pour leur dire « Bon, il y a changement à la tête du pays, mais rassurez-vous, je ne viens pas ici en tant que va-t-en-guerre. Je viens ici au contraire, parce que nous devons construire quelque chose ensemble, et si nous devons construire une économie, on ne construira pas une économie sur base, sur fond de crépitement de balles ou de fond d'obus qui tombent. » Donc, c'est un engagement qui continue aujourd'hui, et je pense qu'il va continuer. Mais il faut se dire aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas faire la guerre tout seul, qu'on ne peut pas faire la paix tout seul. Et vous avez bien fait d'insister sur le fait que la paix dans cette partie du pays, forcément, elle impliquera les pays voisins. Merci beaucoup. Qui pourrait concerner le positionnement, la vision du chef de l'État, puisqu'il revient à lui justement cet honneur d'être le porte-parole du chef de l'État. Alors, on y va. Qui veut poser la première question? Alors, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Vas-y, ma... Et là, tu donnes... Voilà. Alors, allez-y, monsieur. Non, juste là. Voilà. Question courte, s'il vous plaît, et Monsieur, ça sera très simple. Bonjour. Le masque. C'est Michel. D'abord, une question qui n'est pas en propos, mais en fait, qui nous concerne tous, quand même. En matière de lutte contre le Covid-19, et quelles sont les dispositions? C'est très important, on a parlé, je dirais, dans les problèmes climatiques, ça c'est une chose, mais ce qui nous touche demain matin, hein, et ce matin même, c'est le problème avec le Covid-19. Qu'est-ce qu'on fait en RDC dans le cadre de ce problème? Ok, très bien. On va prendre peut-être 4-5 questions, et puis après, on va... Deuxième question, juste le monsieur derrière vous. Donnez votre micro, monsieur, qui est juste derrière. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Bienvenue dans l'île, comme le H24. Excellence, maintenant que nous avons le bureau définitif de la CENI, pensez-vous qu'avec le temps qui nous reste, nous aurons le temps de ressourcer toute la population congolaise et aller aux élections crédibles, ou doit-on encore rejonder cette règle comme dans le passé? Merci. Merci beaucoup. Venez ici devant. Ici, monsieur, venez par ici devant, monsieur, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Jean-Luc Momba, informé de Congrès de Belgique. Ma question fait une petite jonction entre la culture et la situation sociopolitique du pays, et en même temps le changement de narratif, qui est la vision prônée par le ministre de la Communication. Alors, il y a une chanson, un opus en termes de communication alternative qui est mise en place ces derniers jours, qui a plus de 500 000 vues, qui raconte l'état de la vie sociale du Congo, qui s'appelle Minitosalité. C'est les MPR qui ont eu à mettre en place cet opus, en traduction pour ceux qui ne comprennent pas la langue, c'est-à-dire qu'est-ce que nous n'avons pas fait. En tant que ministre de la Communication, c'est des influenceurs, c'est des personnes qui ont un grand audimat. Des jeunes, surtout. Des jeunes, surtout. Et beaucoup de personnes adhèrent à cette chanson et à la philosophie qui est véhiculée. Quel est votre ressenti, quelle est votre perception de cette situation? Merci.
Merci beaucoup. Alors, madame, vous avez posé... Non, c'est monsieur ici. Dernière question pour la première vague. Allez-y, monsieur. Oui, merci pour la parole. Cornelis Landou, agence Comorese Presse. Mais aussi Onish Africa, qui est un magazine privé. Je suis plutôt du côté de l'écrivain. Alors, vous avez parlé, monsieur le ministre, du changement de narratif et de la solution que propose la République démocratique du Congo sur le problème du dérèglement climatique. Alors, ma question est de savoir si, à ce niveau, ou à moyen ou long terme, savoir quelles sont les retombées pour les populations locales ou pour la République démocratique du Congo, je ne sais pas. En tout cas... Retombées de Glasgow, vous voulez savoir qu'est-ce que Glasgow... Les retombées pour la RDC, parce que nous mettons en équilibre le bassin du Congo que nous avons, que nous possédons. Mais alors, en contrepartie, qu'est-ce que la communauté internationale propose? Est-ce qu'il y a déjà eu des propositions? Est-ce qu'il y a déjà eu des négociations dans ce sens? Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, on va y aller. Hein. Quatre questions. Covid-19, la question c'est sur la CENI. Est-ce qu'on aura le temps de faire le recensement et être à l'heure en 2023 pour les élections générales? Et puis la question aussi des jeunes, cette interpellation, hein, ce clip qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux MPR. Et puis enfin, la question du climat. Alors je vais commencer par vous. Excellence, monsieur le ministre, donc sur le Covid-19, en résumé un peu, quelle est la stratégie et où on va en RDC par rapport à cette menace qui est la pandémie du Covid-19? Je crois qu'il y a deux jours, disons il y a 4-5 jours, la France a déclassifié la RDC de la zone rouge des pays... Covid-19. Maintenant, suivant la note verbale que vous avez vue, nous sommes un peu catégorisés comme les autres pays. Ce qui se passe avec la Covid-19, c'est que aujourd'hui, le pilier de notre stratégie, c'est la vaccination. Et grâce aux efforts du gouvernement, aujourd'hui, nous disposons des 5 gammes de vaccins. Donc, les Chinois, Sinovac, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca. Au-delà de cette vaccination, vous avez vu, le président de la République s'est fait vacciner lui-même pour prêcher par l'exemple. Il y a nous tous, moi qui vous parle par exemple, tous les membres de mon cabinet sont vaccinés. Mais vous savez que la question de la vaccination est une question qui dépend de convictions personnelles. Et ça reste difficile parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Mais ce que nous faisons dans notre stratégie, c'est aussi de beaucoup communiquer sur la nécessité du respect des gestes barrières. Parce que le Covid nous a affectés, mais il nous a affectés différemment de la manière dont il va affecter les populations ici en Europe. Et nous vivons dans un contexte où il y a ces foisonnements justement d'informations, ce qu'on appelle infodémie, je crois que c'est une expression que j'ai apprise avec le Covid, qui fait que les gens sont très dubitatifs. Parce que on prend des vaccins, on pense qu'il y a des effets secondaires et tout ça, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie que la voie de la vaccination et du respect des gestes barrières. Et nous, comme autorité, nous avons prêché par l'exemple, et depuis 2 semaines, les députés nationaux ont accepté de se prêter à l'exercice et aussi se font vacciner. Et nous pensons que c'est de cette manière que la vaccination pourra s'étendre jusqu'à ce qu'on atteigne les seuils prévus pour avoir... cette forme d'immunité collective. En République démocratique du Congo, on parle de 20 millions, les chiffres sont grands, mais je pense qu'avec la stratégie de communication permanente que nous avons mise en place, nous pourrons y arriver. Il faut dire aussi que nous avons plutôt bien résisté. Par exemple, pour la troisième vague, c'est nous, gouvernement, qui avions annoncé que voilà, nous entrons dans la troisième vague. Pourquoi? On ne l'aurait sûrement pas fait si nous avions une plus forte capacité d'accueil en termes de lits pour gérer le Covid. Donc on a décidé d'être transparent sur le sujet pour éviter que cela ne soit perçu comme une stratégie, je ne sais pas, de camouflage et tout le reste. On a été mis sur des listes rouges dès lors qu'on a annoncé ça, et je crois que c'est l'une des raisons qui a justifié le report de la visite royale. Mais aujourd'hui, tous les statistiques sont positives et tous les vendredis, je communique dessus après le conseil de ministres pour être sûr que la population est bien informée.
Sur la question de la seigneurie. Monsieur le ministre, je vous accorde une seconde. On va, je vais passer la parole au professeur. Juste sur cette question, comme ça on épuise le domaine. La question de la Covid-19, parce que c'est un domaine dans lequel le président s'est engagé, je veux dire, fortement et même personnellement. Et de ce point de vue-là, je pense que le porte-parole du chef de l'État a quelques mots à nous dire. Allez-y, professeur. Oui. Tout à fait, merci. En réalité, je crois que ce que le ministre a dit, je ne peux que le confirmer, en insistant cependant sur le fait qu'il y a une forte, comment dirais-je, opposition au niveau de la population, parce que quand vous circulez à la cité, vous voyez bien que l'observance des gestes barrières souvent fait défaut. Et c'est précisément là que réside le grand défi à relever, aussi bien par le gouvernement, mais par tout un chacun, c'est de dire attention, le Covid est bien présent et que ce n'est pas une vue de l'esprit. Et donc je crois qu'il y a un gros effort qui doit encore être fait, mais je pense que de ce point de vue-là, nous pouvons faire confiance à ceux qui ont la charge de la communication d'une manière générale, mais également à nous tous qui avons, d'une manière ou d'une autre, à entrer en contact avec la population. Et je pense que les efforts vont continuer d'être mobilisés pour que nous puissions aboutir à des résultats qui, in fine, vont quand même dans le sens de ce qu'a toujours souhaité le président de la République. Je voudrais néanmoins, en terminant, insister sur le fait qu'il n'y a pas de tabou. En ce qui concerne le président de la République, en ce qui concerne le gouvernement, je pense qu'on a joué franc jeu. Et tous ceux qui veulent bien observer ce qui se passe sur le terrain ont le loisir de le faire. Merci. Je vous permettais, professeur, je voulais ajouter une chose aussi importante. Et le président l'a toujours rappelé, monsieur le ministre, vous pouvez compléter si vous le désirez, et on ne l'a pas parfois très bien compris quand il disait qu'il faut compléter la prévention, c'est-à-dire la stratégie de prévention qui est celle des vaccins, par une stratégie thérapeutique aussi. Et il a mis en avant certaines thérapies qui ont été testées au Congo, notamment Manacovid ou Dubas C, voilà, exactement. C'est pour dire que, d'ailleurs, récemment, vous avez tous vu qu'il y a un médicament, là, qui est, dont j'ai oublié le nom, mais qui a été validé, je crois, par l'organe européen des médicaments qui vient des États-Unis. C'est pour dire qu'il faut avoir les deux éléments, si vous voulez, de la stratégie à la voie, la prévention, qui permet de stopper la propagation de cette pandémie, mais aussi pouvoir soigner les gens, parce que quand on voit, justement, le taux de vaccination aujourd'hui en Afrique, il est très faible, il va aller chemin faisant, et le président s'est par exemple aussi très engagé sur la possibilité de libéraliser, si je puis m'exprimer ainsi, les brevets pour qu'on puisse fabriquer des vaccins en Afrique. Certains pays s'y sont déjà parvenus, l'Afrique du Sud je pense, et le Sénégal, et le Congo en tout cas est sur cette voie-là pour qu'on puisse le faire. D'accord ? Allez-y, monsieur le ministre. Non, je crois que vous avez tout dit. Sur cette question. Ok, donc on passe alors à la prochaine question, celle sur la CENI. Alors, comme posé par notre collègue, enfin ami Tocar Blaise, qui disait, la CENI vient d'être mise en place, est-ce qu'on aura le temps de faire à la fois le recensement de la population, parce que 2023, ben, c'est demain, comme dirait l'autre. Ben, je crois qu'il faut ici, il faut dissocier la question du recensement, qui est une question cruciale, parce qu'on ne peut pas penser développer un pays comme la République démocratique du Congo sans connaître sa population, ses stratifications, ni comment il s'est réparti dans le pays. Parce que les développements, au départ, c'est une question... vous devez d'abord connaître la quantité pour améliorer la qualité. Et donc, pour nous, comme gouvernement, nous avons un objectif, et pour le Premier ministre, c'est de donner une carte d'identité aux Congolais. Et pour arriver à ces processus qui donnent la carte d'identité aux Congolais, il y a des préalables. Aujourd'hui, je vous donne... un tableau avant de vous répondre sur la question de la CENI. Nous avons en République démocratique du Congo la Commission électorale nationale indépendante qui s'occupe de l'aspect du fichier électoral. Nous avons en République démocratique du Congo l'ONIP, l'Office national de l'identification de la population. Nous avons en RDC l'INES qui comprend le bureau central du recensement. C'est trois services qui dépendent de trois départements différents, intérieur, plan et élection. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de faire une forme de
communautariser tous ces services, parce qu'en réalité, les objectifs sont les mêmes. Je vous donne un exemple. Le NIP, qui est censé donner la carte d'identité, n'est pas aussi démembré dans le pays que la CENI. Alors, plutôt que de vouloir en dire, bon, le NIP, on va aussi faire son démembrement, ça veut dire l'amener dans les différents territoires, dans les différentes localités, on dit, on va s'appuyer sur la CENI. Et donc, pour nous, aujourd'hui, il y a cette analyse, cette coordination de choses qui avaient été faites au niveau du ministère du Plan. Et d'ailleurs, je pense que c'est au Conseil de ministres de ce vendredi de la semaine que nous aurons le dernier rapport qui nous permettra de voir le tableau de comment on va avancer. Mais de toute évidence, pour nous, dans ce qui se fera, il sera nullement question de conditionner la tenue des élections par la fin du recensement. Non, ce sont des processus qui peuvent s'éteindre en même temps, suivant les recommandations que les experts vont mettre sur la table. Alors, vous demandez si nous aurons le temps d'aller vers les élections dans l'idée. Ça, c'est la question de la CENI. C'est la CENI qui est l'organe technique qui travaille avec le gouvernement et qui peut être en mesure de dire, bon, voilà, parce qu'il faut faire une analyse. Le fichier électoral, il en existe un, le fichier électoral, des élections passées. Il faut le mettre à jour. Il faut arriver à le mettre à jour. Il faut repasser par un processus d'enrôlement ou tout au moins réactualiser les fichiers pour être sûr que nous avons dans les fichiers tous les Congolais en âge de voter répertoriés et que par la suite décliner les autres opérations électorales. C'est pour ça que c'était urgent pour nous comme gouvernement d'avoir des interlocuteurs. Nous ne pouvions plus continuer à avoir Corneille Nanga comme interlocuteur alors qu'il devait partir depuis 2019. Et donc on ne pouvait plus continuer d'attendre. Maintenant qu'il y a une CENI qui a été mise en place, on attend que la CENI fasse son plan. Mais entre-temps, nous, au niveau du gouvernement, nous avions préparé une provision de 100 millions de dollars pour l'exercice 2021. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès que la Commission électorale nationale indépendante aura finalisé son plan de travail et qu'il aura demandé, on s'y mettra ensemble avec le gouvernement, à ce moment-là, ils mettront en place le mouvement. Mais pour nous, l'objectif politique est clair, nous devons aller aux élections dans les délais, c'est fin décembre 2023. Nous attendrons, évidemment, ce que la CENI nous dira. C'est pour ça qu'il est important, dès les départs du processus, d'avoir toutes les parties prenantes impliquées. Et donc, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on donne l'impression que le processus électoral est déjà vicié à l'avance, parce que simplement deux confessions religieuses n'ont pas été d'accord avec les six autres dans la désignation du président. Le travail de l'organisation des élections est un travail qui s'est fait avec beaucoup de parties prenantes. Et donc, si nous voulons construire un processus électoral transparent, il faut faire. J'espère que le bureau qui a été mis en place tiendra compte de la recommandation et de la nécessité de compenser ce qui n'a pas pu être fait au niveau de la mise en place du bureau. Parce que lorsque, et fort malheureusement, c'est un peu de tradition chez nous, chaque fois qu'il est question de choisir un président de la CENI, on ne s'accorde jamais. Et lorsqu'on ne s'accorde jamais, il y a des conséquences. Alors, nous, si nous voulons consolider notre démocratie, le président de la République est quand même l'héritier d'un combat politique bien connu du président de feu Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, il faudrait que les choses s'effacent différemment. Nous avons la volonté politique qu'il faut, on attendra les recommandations techniques de la CENI et à partir de ce moment-là, on verra comment évoluer pour construire les consensus sur chaque étape pour être sûr qu'à la dernière étape, tout le monde s'accordera et tout le monde s'épliera les moments venus aux résultats qui en sortiront. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Mais je voudrais justement, question méthodologie, avant de passer à la question bien sûr interpellante, hein, celle des jeunes et puis celle du climat, qu'on puisse épuiser ce dossier sur la CENI, parce que j'imagine que c'est un dossier important. Donc s'il y a d'autres questions concernant la CENI, allez-y, oui, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Ici devant. Merci. Oui, bonjour, Jean Baudin de Béga. Vous avez partiellement répondu à ma question sur l'organisation des élections, notamment en ce qui concerne le financement. Mais vous avez parlé de 100 millions de dollars mis de côté, enfin, réservés au cours de 2021. Si je ne m'abuse, les élections de 2011 ou 2018 avaient coûté de l'ordre de 500 millions de dollars. Le chiffre est inexact et d'autre part, faites-vous appel éventuellement à la communauté internationale pour l'organisation des scrutins avec ce que ça exige parfois en termes de redevabilité, etc. Donc,
quand les élections sont organisées sous une supervision internationale, ne se passe pas nécessairement de la même façon que si elles le sont de façon nationale. Merci. Autre question sur la CENI dans la salle ? Non ? C'est bon. Et alors, oui, encore une question. J'imagine qu'il y a encore un certain nombre d'étapes législatives à franchir, comme une révision de la loi électorale et des choses comme ça. Madame, va poser. Sur la CENI toujours, hein. On reste sur la CENI pour l'instant. Oui, c'est toujours sur la question électorale. Nous avons un bruit de vote africain en Belgique. Vous avez bien compté que la question cruciale maintenant, la CENI est constituée ou s'est choisie en président, vos priorités vont vers le recensement de la population de tous les potentiels électeurs de 2023. Que faites-vous différemment pour qu'il y ait une fois pour toutes un recensement sur lequel on puisse vraiment se fier et qui ne doivent pas, à chaque élection suivante, être refinancés. On puisse vraiment partir avec un recensement clair sur lequel tout le monde s'accorde. Ok. Jean-Luc Abouira, RBC Source Info. J'ai écouté le ministre qui a parlé qu'il n'y a pas eu de consensus et tout le monde le sait. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la règle pour le processus de désignation voulait qu'il puisse y avoir élection des 8 confessions religieuses. Il y en a 6 qui ont voté pour une personne. Alors, depuis quand nous allons dans une élection, il faut qu'il puisse y avoir un consensus. Quand la règle est qu'il doit y avoir une élection, il y a des déçus et il y a ceux qui gagnent l'élection. Donc, je veux dire, à partir de là, on ne doit pas créer des slogans qu'il faut maintenant un consensus. Sinon, il ne fallait pas, dans les règles qui avaient été établies, qu'on puisse prévoir une élection. Alors, aujourd'hui, voir les abbés et l'Église catholique parcourir le monde pour dire qu'il n'y a pas eu consensus, je trouve ça un petit peu déplacé. Voilà, merci. Ok, le ministre va clarifier cette question, c'est notamment celle de la charte des confessions religieuses qui était à la base de la désignation du bureau de la CENI. Monsieur Lusakweno. Christian Lusakweno, Top Congo FM, le ministre a dit que nous devons aller aux urnes dans les délais avec un processus transparent avec toutes les composantes. Alors ma question est la suivante, il en manque. Qu'est-ce qui est fait pour que les absents dans le bureau de la CENI, est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame ou qui se passe pour que les absents rejoignent les actuels membres désignés ? Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à tous, donc, monsieur le ministre. Beaucoup de questions en tout cas, hein, concernant justement la CENI, mais c'est un problème important et on se doit d'être clair là-dessus, de clarifier les choses. Donc, première question, c'est la question du financement. Hein, comment la CENI va être, comment pendant les élections vont-elles être financées? Et puis aussi, l'articulation avec l'aide internationale. Est-ce que cette aide est-elle sollicitée? Et puis si elle est sollicitée, qu'est-ce que cela aura-t-il comme implication? Alors, les élections, c'est une tâche qui nous revient principalement comme gouvernement. Mais de ces points de vue, la volonté politique pour nous est claire. Nous le disions, le Premier ministre l'a dit et redit à l'occasion de son jour, que pour nous, nous appelions à l'époque à la transcendance pour tous les acteurs dans la désignation. Cher Gérard, les élections coûtent cher en repli bureaucratique du Congo, effectivement, parce qu'on s'y prend toujours en retard. Hein, le pasteur Moulin a préparé des élections à 6 mois ou 7 mois, et pour un pays grand, presque sans infrastructure routière, il faut faire voter 40 millions de personnes. C'est très laboureux, c'est pour ça que nous avons voulu que le choses s'efface plus tôt pour être sûr que nous avons suffisamment de temps, y compris pour voir si on ne peut pas faire un travail plus sérieux pour ce qui concerne le recensement, parce qu'on en parle depuis des années, mais on ne l'a jamais fait. Parce que si nous avions un registre national bien tenu, à chaque élection, ça coûterait pas cher. On n'aurait pas besoin de chercher le marché, d'acheter autant de milliers, des centaines de milliers de machines pour être sûr qu'on en rentre tout le monde. Nous nous baserons à partir du fichier qui existe, on l'actualiserait, on avancera. Nous sommes convaincus et je crois que le moment venu, on communiquera dessus. Dès que les travaux des experts vont se terminer, on verra comment, quels sont les plans, comment on va le faire. Quoi qu'il en soit,
pour nous, gouvernement, comme objectif, c'est de doter les Congolais de la carte d'identité. Et lorsque cette carte d'identité sera effective, nous disposerons de la banque de données nécessaire qui nous permettra d'avancer. Et donc, pour le reste, il appartiendra à la CENI, le moment venu, de dire, d'établir, en fonction des réalités, est-ce qu'on va continuer avec la machine à voter ou pas. Sans doute, la machine à voter, on a redouté, mais je crois qu'elle était plutôt une bonne expérience. Bon, maintenant, il faut voir les 108 000 machines qui ont été commandées, combien sont encore opérationnelles, est-ce qu'il faut le mettre à jour, est-ce qu'il faut les déclasser, et tout ça, c'est un travail d'évaluation qui doit être fait, mais bon, fort malheureusement, après les élections, on ne s'occupe presque plus de la CENI. Malheureusement, on ne sait pas savoir dans quelles conditions ces matériels ont été conservés, ni les capacités logistiques, encore moins les capacités des télécommunications que requiert la CENI pour être en mesure de conduire ces opérations. C'est pour ça que pour nous, il était urgent d'avoir le bureau de la CENI pour nous permettre à temps de savoir ce que ça coûte. Et c'est pour ça que je crois que le président de la République l'a dit. Dès nos partenaires, de toute façon, ils ont toujours été là. L'OIF, NDI, IRI, et récemment, j'ai rencontré une organisation, je crois, belge, qui s'appelle CESC, ou CESC, j'oublie l'acronyme. Ils sont toujours impliqués dans les processus. Bon, maintenant, lorsqu'il sera question du financement, il faut qu'il y ait un tableau clair, les capacités du gouvernement mises à table, et on verra comment faire appel si les partenaires sont intéressés. Nous voulons que cela s'efface tôt, que la CENI soit en mesure de faire des tableaux tôt pour savoir que s'il y a des engagements de nos partenaires, quel type d'engagement, à quel moment, pour qu'on ne fasse pas les choses très rapidement, le moment venu. Bon, vous avez aussi parlé des questions législatives. Je crois que la question législative qui reste fondamentale, c'est celle de la loi électorale. Et dans le moment venu, elle sera discutée au niveau de la majorité. On verra des options. Est-ce qu'on maintient la loi à l'État ou est-ce qu'on la change? Qu'est-ce qu'on peut réajuster? Et je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui se posaient autour de cette loi, mais les délais sont courts. Donc, il faut s'assurer qu'on ait une bonne loi électorale qui permette d'assurer la représentativité, qui permette d'assurer un scrutin. Madame Tamboué, j'avais dit, j'espère que j'ai bien dit votre nom, que faites-vous pour avoir un recensement? C'est ce que je disais tout à l'heure en répondant à la question de Blaise. Pour nous, aujourd'hui, c'est inimaginable que les citoyens congolais ne disposent pas d'une carte. Ce n'est pas une question politicienne. C'est une question simple de gestion de l'État. Parce que tous les problèmes que nous connaissons dans le pays, y compris à l'Est, c'est un problème même qui est lié à l'existence de l'État. Parce que nous ne savons même pas combien nous sommes, comment on est répartis et où. Comment pensez-vous planifier les développements d'un pays dont vous n'avez pas les tableaux? On va faire un recensement général de la population de l'habitat pour nous permettre d'avoir la cartographie d'une part. Ensuite, on va faire un recensement administratif qui pourra permettre de donner les cartes d'identité. Puis un recensement électoral qui permettra de dégager les fichiers. C'est pour ça qu'il y a cette communautarisation de services qui est centralisée au niveau du Premier ministre, qui suit pour que nous puissions être en mesure tôt de répondre à ces questions, parce que c'est la partie électorale qui coûte le plus cher. Lorsque vous devez faire un fichier à 4.5 points, vous courez. Et ce n'est pas toujours transparent, ce n'est pas toujours bien, parce qu'après, il faut toujours auditer, il faut toujours faire le nettoyage, il y a toujours des doublons, et tout ce processus prend le temps. C'est pour ça que pour nous, c'était impératif de nous y prendre à temps. Alors, sur la question de la charte de Monsieur Kabuya, Jeannot Kabuya. Je crois que la charte de confession religieuse prévoyait comme premier mécanisme le consensus. Et lorsque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord à travers les consensus, vous procédez par élection. Et il s'est dégagé qu'il y avait un bloc de 6 qui a soutenu un candidat sur lequel l'Église catholique disait qu'il y avait des soupçons de corruption qui n'ont jamais été étayés. Mais simplement, moi j'ai entendu quelque chose que je trouve particulièrement dangereux, de relier Kadima au président de la République parce qu'ils sont de la même province. C'est une forme d'exacerbation de la question tribale, et pour un pays comme le Congo, c'est une pratique qu'il faut dénoncer. On ne l'a pas dit, mais le candidat qui a été porté par l'Église catholique est originaire de l'ex-province de l'Équateur. Le révérend Bokundo est de l'Équateur.
le cardinal Ambongwe de l'ex-Équateur. Mais pourquoi on n'a jamais fait une telle forme d'allusion? On n'a pas voulu relier les deux par une proximité provinciale. C'est très dangereux. Encore que pour que Kadima arrive là comme choix, il y a eu un processus en interne. Pourquoi on ne met pas en valeur l'aspect managérial ou le profil du candidat? Parce que c'est finalement ça qui a conduit à ce qu'il soit même retenu dans les tris qui avaient été faits au départ. Et sur cette question, après, les prêtres sont dans le droit d'exprimer leur mécontentement sur un processus qui n'a pas bien fonctionné. Moi qui vous parle, j'ai faisais partie du groupe des 13 parlementaires, nous militions pour les réformes électorales. Et quand on est arrivé à cette question des désignations, nous, on ne voulait pas que la question soit confiée aux confessions religieuses. Simplement parce que ceux et non gardiens, ceux et qui sont, lorsque nous, les hommes normands, entre guillemets, nous sommes limités, nous recourons à nos pères spirituels. Maintenant, nous avons nos pères spirituels qui sont divisés. Quel message ça donne pour le pays? Si nos pères spirituels n'arrivent pas à s'accorder, mais que dire des hommes politiques? Qui est-ce qui va nous remettre à table pour nous dire revenez sur la table? Et donc, malheureusement, c'est aussi cela la réalité en RDC. Les confessions religieuses voulaient garder la main dessus, et malheureusement, ils ne se sont pas accordés. J'espère que nous tirerons les conséquences pour les processus futurs, pour essayer d'épargner au maximum ceux qui doivent être les derniers remparts dans une société. J'espère qu'au-delà de la frustration qu'ils ont exprimée, qu'ils vont revenir, parce qu'ils ont la mission prophétique de nous accompagner. Je suis désolé, même si nous sommes, entre guillemets, dans l'erreur, mais on va toujours voir le prêtre après, je crois, on va, comment on appelle, on va confesser. Hein, donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, l'Église ne peut pas saboter un processus qui n'est pas encore né. Le mot n'est peut-être pas approprié, mais nous pensons que le moment venu, l'Église s'impliquera et avec elle, avec les autres partenaires, nous allons avancer pour essayer de compenser, parce que le constat du manque des consensus, eux-mêmes l'ont fait aussi. Donc, nous espérons que nous allons avancer, parce que le plus important, c'est de permettre aux Congolais de voter dans les délais. Et c'est ça, je pense, aussi que l'Église veut. C'est ça que le Congolais veut. Alors, on peut avoir des appréhensions, mais le processus n'a pas encore commencé. Il faut, à mon avis, accorder les bénéfices du doute aux animateurs qui ont été mis en place, quitte à voir comment on fait interagir les autres forces pour nous assurer que nous avons un processus contrôlé et qui nous permet d'avancer. Alors, M. Lusakwen a dit, qu'est-ce qu'il faut pour que les absents au bureau de la Seigneur viennent? L'idéal aurait été que tout le monde soit là. Je pense que les absents viennent principalement du Front commun pour le Congo. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une forme de constellation des gens qui sont contre ce qui a été fait, mais pour des agendas différents, parce que l'Église voulait qu'il y ait un président de la CENI, peut-être qu'il soit catholique ou qu'il réponde à leurs conditions. Vous avez des amis de la MUCA qui n'ont jamais été pour le processus, et puis vous avez les amis du FCC. Pour nous, nous pensons que le moment venu, ils reviendront, parce que leur place est là, ils doivent l'occuper, mais au regard de l'impératif de commencer le processus électoral, nous ne pouvions pas rester attentif et attendre tout le monde pour démarrer, parce que fort malheureusement, certains agendas politiques ou politiciens ont été mis, et ces agendas politiciens n'étaient pas de nature à favoriser, justement, la célérité dans le processus électoral. J'espère aussi que le bureau qui a été mis en place va travailler pour permettre aux uns et aux autres de revenir rapidement. En tous les cas, nous avons apprécié la position de nos principaux partenaires qui ont pris une position commune après l'enterrement de l'homme de la CENI pour dire qu'ils allaient s'impliquer et accompagner le gouvernement dans l'organisation des élections. Voilà, Eric. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe la parole au professeur Kassovo-Bewa, parce que là, on a été sur un point de crispation, si on peut dire. On a beaucoup lu dans la presse, hein, que ce soit la presse nationale en RDC, mais même la presse européenne ou internationale, où on disait « le président Tshisekedi a opéré un coup de force ». Alors vous, qui êtes le porte-parole du président, qui êtes justement en relation quotidienne avec lui pour savoir ce qu'il pense et la façon dont il s'exprime, comment déconstruire justement cette fausse idée qui veut dire que
le président a fait un coup de force pour la nomination du bureau de la CENI. Merci. En fait, honnêtement, j'essaie d'observer les choses pour essayer de comprendre. Je ne sais pas pourquoi on veut impliquer le président de la République dans ce processus qui est éminemment du ressort du législatif. Toutes les négociations, tout le travail qui a été fait n'a jamais impliqué le président de la République. Au contraire, il a même refusé de s'impliquer, puisqu'on a voulu le forcer à s'impliquer dans ce processus. Les CATO, le CC ont cherché à le rencontrer. Le président a dit, c'est au niveau du législatif. Le président de la République, à aucun moment, n'a donné une quelconque injonction ou une quelconque mesure à qui que ce soit. Vous avez vu vous-même qu'on a observé la responsabilité du législatif, de l'Assemblée nationale, dans tout ce qui a été mené de bout en bout. Quand il a fallu qu'on leur accorde des délais supplémentaires pour essayer de se rabibocher les uns les autres, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a accordé ces délais. Le président de la République n'a en aucun moment et en aucune manière interféré en quoi que ce soit. Je peux comprendre que certaines églises, certaines confessions religieuses, notamment les catholiques et les protestants, considèrent que ce sont les confessions religieuses qui agglomèrent le plus de Congolais. Je crois qu'il y a un prélat qui a même dit que à eux deux, ça fait 90% des Congolais. Je ne sais pas où est-ce qu'il a fait son recensement, mais enfin bon, j'aimerais bien savoir quelle machine il a utilisé. Mais quoi qu'il en soit, la charte qui gère les confessions religieuses en cette matière est très claire. Autant on a parlé de consensus, à défaut de consensus, on passe au vote, mais autant cette même charte dit que lorsqu'on va procéder aux élections, c'est une voix par confession religieuse. Que vous ayez 14 millions de fidèles, ben écoutez, vous aviez qu'à pas signer la charte, puisque la charte vous dit, avec vos 14 millions de fidèles, vous avez une voix. Moi, avec mes 2000 fidèles, j'ai une voix. Alors, soit on signe et on exécute ce à quoi on a cru en signant, soit alors on ne signe pas du tout. Mais vous n'allez pas signer et puis derrière vous dire « Non, non, nous sommes les plus nombreux ». Ben, désolé, il ne fallait pas signer. Merci beaucoup, professeur Kassongo. Alors, on poursuit. Et si vous voulez bien, on va venir à la question de M. Mumba, c'est ça ? Jean-Luc Mwamba, concernant justement le clip, la chanson là, qui circule hein, ces derniers jours sur les réseaux sociaux du groupe MPR, qui est une interpellation, mais une interpellation je pense générale, et c'est le rôle de la jeunesse d'ailleurs, de pouvoir interpeller le pouvoir, parce que si les jeunes n'interpellent pas, c'est-à-dire c'est une jeunesse qui ne s'engage pas, ce serait quand même malheureux. Mais là-dessus, il y a une pseudo-polémique qui est née pour savoir est-ce qu'il critiquait le pouvoir en place. Moi, je dirais simplement pourquoi pas. Justement, la critique, elle est toujours bonne. Ça permet aux gens de s'améliorer. Mais je vais passer la parole au ministre de la Communication qui lui connaît très bien, puisque je sais qu'il a une relation particulière avec la jeunesse congolaise. Moi-même, je suis fan de musique et donc je dévore bien les œuvres bien fouinées, assez original du groupe Imper. Et donc la chanson Ninito Sanité s'inscrit justement dans la logique d'une jeunesse qui se plaint de la situation générale du pays. Je fais partie de cette jeunesse. Mais aujourd'hui, si je suis arrivé à me faire élire et à être là où je suis aujourd'hui, c'est parce que justement, au-delà des défis qu'il y avait dans notre société, on a travaillé, on a tenu, on a avancé. La vérité ici, c'est que nous vivons depuis des décennies dans un contexte d'abandon général. Et donc, les messages des jeunes qui est perçu là-dedans, c'est comme un message de désespoir pour dire que ni tout s'habitait. Mais en réalité, dans ma compréhension, ceci ne veut pas dire toti kakosa, traduit en français, que nous devons arrêter de faire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a fait hier que ça n'a pas marché qu'on ne doit plus faire demain. Moi qui vous parle, moi j'ai fait plutôt maths physique, j'ai fait une année d'architecture.
une année à l'École nationale de finance et puis j'ai fini journaliste. Ça veut dire qu'à un moment donné, par rapport au contexte du pays, on essaie à gauche, ça ne marche pas, on essaie à droite. Mais ce qu'il faut, c'est de ne jamais renoncer. Et je crois que c'est ça le message que nous allons adresser à notre jeunesse. Et d'ailleurs, j'ai partagé le clip avec le Premier ministre. Lui comme moi, nous sommes de la même génération, on s'est senti touché comme autorité. Mais nous voulons, et c'est ce que je dis toujours, nous, on ne fera jamais comme avant. On pourra tout nous reprocher, mais on ne pourra pas nous reprocher de commencer le travail du changement. Et ce travail du changement prendra justement du temps, parce que les solutions se construisent. Ce n'est jamais une génération spontanée. On parle de la gratuité, j'entends de gens qui critiquent beaucoup ce programme de la gratuité d'enseignement, mais vous ne savez pas ce que ça représente d'avoir 4 millions d'enfants qui reviennent à l'école. Vous ne savez pas ce que ça représente d'avoir 1,5 million au moins de jeunes filles qui reprennent l'école grâce au programme de la gratuité. Mais il faut regarder l'état du pays et ce que le pays peut offrir lorsque les gens nous jugent. Nous, on représente l'État, nous encaissons. Nous encaissons, on ne se considère pas spécifiquement ciblé par cette chanson. En tout cas, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une interpellation de jeunes pour que l'État fasse davantage. Et l'État le fera, autant l'État va le faire, autant les jeunes doivent continuer à faire. Ça peut marcher lundi, ça ne peut pas marcher mardi, c'est pas pour autant que mercredi, on ne va pas continuer. Et donc, pour moi, je les prends positivement. C'est une interpellation collective à la fois pour nous, l'État, pour faire notre part, mais aussi pour les jeunes, de faire la leur, pour faire avancer. Parce que finalement, les pays s'est construit avec les citoyens, et la force d'un État réside dans la force de ses citoyens. Et le jour où nous aurons des citoyens forts, nous aurons un État fort, et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. Merci. Merci. Alors, professeur, en porte-parole du président, comment vous réagissez à cette interpellation de la jeunesse, qui en fait est symptomatique, hein, je veux dire, c'est pas tellement l'affaire du groupe MPR, mais je veux dire, c'est comment toute cette jeunesse congolaise peut-elle s'exprimer et surtout comment faire pour que le président Tshisekedi, qui a une longue action de militantisme, donc c'est-à-dire proche du terrain, aujourd'hui président, comment faire pour qu'il ne se sépare pas, qu'il ne soit pas hors sol, comme on dirait. Comment faire pour qu'il reste en communication et en symbiose avec cette jeunesse pour qu'il puisse comprendre ce message. Mais je pense que le message a été très bien compris. Même si, avec un petit clin d'œil, il vient de Hubert. le message a été parfaitement compris. Et je peux vous garantir une chose, c'est que le président de la République est quelqu'un qui écoute beaucoup. Et de toute façon, ce que les jeunes ont exprimé, c'est ce que le monsieur de la rue, madame, tout le monde... exprime directement lorsqu'on a l'occasion de l'écouter. Et je crois qu'ils ont une oreille vraiment attentive de la part du président de la République. C'est quelqu'un qui n'esquive aucune question. Lorsque vous avez à lui exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, il vous écoute. Maintenant, bon, nous ne pouvons travailler qu'avec ce que nous avons à disposition. Et c'est une des raisons pour lesquelles il se bat jour et nuit, pour donner au gouvernement les moyens de la politique qu'il voudrait voir s'imprimer dans notre pays. Je donnerai juste un exemple personnel pour vous montrer à quel point il est attentif et il accepte tout ce qu'on peut lui faire comme observation. Je crois qu'un jour, il y a eu sur RFI, je crois, une revue de presse qui reprenait les écrits d'un journal burkinabé qui doit s'appeler, je crois, Palga. Palga, ça existe. Palga. Et Palga disait tout simplement, il reprenait un petit peu ce qu'on avait dit, c'est un président pantin, placebo, enfin je ne sais plus quoi d'autre qu'on avait dit là-dedans. Et les gens me reprochaient de ne pas défendre le chef de l'État. Je suis allé le rencontrer, j'ai dit, mais monsieur le président, attendez, là, il m'a regardé, il m'a dit, ah, vous voulez intervenir? Je dis non, je viens vous demander votre point de vue. Il dit, mais attendez, ce que a dit le journal là dont vous me parlez, le Burkinabé, mais je l'entends chaque fois que je sors dans la rue. Le Congolais me le dit comme ça. Alors, chaque fois que le Congolais dira quelque chose, vous allez monter au micro pour dire, je vais défendre le président.
Vous avez à vous exprimer, faites-le. Mais faites-le dans les règles de l'art. Faites-le sans... On n'a pas besoin d'insulter pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Et le président de la République est quelqu'un qui est beaucoup... Et encore une fois, je le répète, le problème, c'est que nous avons, pour l'instant, je parle sous le contrôle de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information, nous n'avons pas suffisamment de moyens. En tout cas, nous recherchons encore les moyens pour pouvoir répondre à tout ce que la population congolaise attend du président de la République, qui, vous l'avez d'ailleurs rappelé, de par son passé de militant de l'opposition, mais on attend de lui énormément de choses. Mais c'est vrai, pardon mesdames, mais même la plus belle femme, il semble qu'elle ne peut donner que ce qu'elle a. Merci. Alors on poursuit, il y avait une question encore en suspens, celle sur le climat, posée par notre ami de l'ACP, pour savoir... il y a eu des engagements à Glasgow, il y a eu, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, ce positionnement de la RDC en tant que pays solution face à la crise climatique, mais quel en est l'impact pour la population congolaise? Il l'a dit lui-même, il a dit, par ses mots, il a dit, on a mis en avant notre atout d'être dans le bassin du Congo, mais qu'est-ce qu'on en a en retour? Si on doit s'adapter, comme on dit, à faire cette transition énergétique, on sait qu'il y a des pratiques, par exemple, de culture sur brûlis. Il y a des peuples autochtones qui habitent dans cette région. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir accompagner ces populations et en même temps répondre aux exigences de la transition climatique, mais en même temps répondre à nos besoins et à notre aspiration légitime de développement? Merci. Alors, c'est une question pertinente, mais c'est clair que l'urgence pour nos populations... ce n'est pas la protection du climat ou le changement climatique, même si nous en ressentons les effets. Mais l'urgence pour nous, c'est d'être sûr que nous avons les enfants à l'école, nous avons de quoi manger et nous avons de quoi nous vêtir. Mais lorsque aujourd'hui nous avons, dans le monde aujourd'hui, nous avons, nous, comme République démocratique du Congo, une forme de devoir de solidarité, du fait justement que nous disposons de ces bassins forestiers et de ces grosses réserves qui peuvent servir à protéger l'humanité. Mais nous disons, nous devons le faire, mais il y a des pays qui sont responsables de cette situation qui doivent payer. Je suis désolé. Et donc, je ne saurais pas vous dire ce qui se termine parce que les négociations sont en cours. Il y a eu la partie des chefs d'État, il y a eu des engagements, comme chaque année. Mais on n'est plus à un moment où il faut continuer à dire on s'engage, on doit agir. Parce qu'il semble que la température est remontée de 1,5. Mais qu'il y a des risques qu'il remonte à 3%. Il y aura de fonte de calottes glaciaires, il y aura des montées des eaux et tout le reste. Et donc ça veut dire que les gens doivent agir maintenant et tout de suite. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, le président de la République, nous avons, la RDC a été, si vous voulez, l'attraction de cette COP26. Parce que le président de la République a présidé plusieurs réunions. Vous avez vu la réunion sur le forêt tropical, aux côtés du président Biden et du premier ministre Boris Johnson. Mais au-delà de ça, le président a présidé, je crois, le plus grand sommet du programme d'accélération de l'atténuation des effets de changement climatique. D'adaptation et d'accélération. Programme d'accélération. Et de l'adaptation. Programme d'accélération de l'adaptation au changement climatique, ouais. Excusez-moi. Il y a trop de A. Et donc, 25 milliards de dollars de fonds, il y a 12,5 milliards qui sont disponibles, mais tout ça, c'est de voir comment cela sera reparti. Le président de la République a eu une des réunions bilatérales, j'y ai assisté, avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été précédé par la signature d'une déclaration conjointe qui accorde 500 millions de dollars pour nos forêts tropicales. Bon, tout ça, on ne saura peut-être pas dire que ça va régler nos problèmes, mais pour nous, on considère que c'est un bon premier pas. Au niveau de la contribution nationale, nous avons évalué, et c'est le cahier de charge que ma collègue de l'environnement a amené sur place à Glasgow, il nous faut 48 milliards. 48 milliards, et dans ces 48 milliards, nous nous sommes engagés, je crois, à 2% pour le faire. Mais il faut que les autres payent. Et donc maintenant, c'est un processus qui va aller des discussions en discussion, mais ceci ne nous empêche pas de commencer à adopter des comportements qui nous permettent d'atténuer les effets du changement climatique et de nous adapter. Je crois que sur cette question, il faut attendre
la fin des négociations pour avoir si c'est quoi l'engagement global et comment cela va se décliner à travers le pays. Et d'ailleurs, nous prévoyons de faire une communication de restitution de tout ce qui s'est dit à Glasgow. Nous ferons les tableaux de tout ce que la République aura tiré comme profit avec ma collègue de l'environnement dès son retour au pays pour être sûr que les Congolais comprennent tout au moins que lorsque nos forêts sont protégées, voilà la contrepartie. Lorsqu'on dira à nos pères, ne coupez pas vos arbres pour faire des pirogues, voilà, on vous amène des canoës kayaks en plastique de je ne sais où, mais au moins on peut être sûr que nous tirons profit de notre écosystème. Voilà. Merci beaucoup. Le temps passe, mais je sais que vous êtes tous là. Encore quelques questions. Oui. Monsieur derrière et puis madame. Le micro à monsieur qui est là. Voilà. Allez-y, présentez-vous et posez une question. Voilà. Direct. Bonjour, Amina Chemi, dans Romag, Algérie. Je vous ai ramené trois cadeaux en tant que journaliste parce que vous êtes au Press Club et il le fallait. C'était plutôt pour une question que... Voilà, avant la question, parce que en tant que journaliste, on sait très bien que Amnesty International nous a aidés à travers les combats comme même, et même ici au Press Club. Et je remercie aussi la franchise de pouvoir parler directement. Je voudrais savoir l'évolution de la presse au Congo depuis que vous êtes au pouvoir. Et puis de l'autre côté, la diaspora. Parce qu'on sait très bien que la diaspora ici en Belgique doit choisir entre l'insulte belge ou congolaise. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une évolution? Parce qu'on fait une grande. Il y a beaucoup de jeunes Congolais ici qui se sentent un peu, je vais dire, divisés. Et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de connaître Dieudonné Kabongo qui m'ont raconté cette histoire et me disant oui, on accepte de devenir européen, mais on reste africain. Et d'ailleurs, la jeunesse africaine vous passe le message en disant que l'Afrique est riche, mais on l'appauvrit. Et j'espère que le président Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, va faire quelque chose encore avant la fin pour la jeunesse africaine. Voilà. Merci beaucoup, merci. Autre question, madame. Merci. Je suis Hilda Odia, congolaise de Belgique Magazine et correspondante de 10e Rue TV. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas le ministre de Pétentic, mais encore de l'enseignement primaire secondaire. Donc vous êtes le porte-parole du gouvernement. À titre, je vous pose la question sur l'affaire des taxes RAM et la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, deux pilules que la population congolaise n'arrive toujours pas à avaler. Que peut-on retenir de ces deux dossiers? Je peux ajouter, j'avais trois questions. Allez-y à deux, s'il vous plaît, pour permettre aux autres aussi de poser leurs questions. Allez-y, madame. Voilà. Ma deuxième question, vous êtes un professionnel de médias. Comment vous vous sentez devant votre télévision en train de suivre la RTNC dans le fond et la forme? Si vous vous sentez bien, bravo. Si vous vous sentez mal depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez déjà entrepris pour améliorer l'image de la RTNC qui est la chaîne nationale? Merci. Merci. Monsieur Sakweno, allez-y. Je voudrais parler, ou qu'on parle un peu de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. On a parlé, pas uniquement de l'état de siège, mais de ce qui se passe ces dernières heures. On parle de situations tendues, notamment aussi à Goma. Quelle est la situation exacte? Et puis, notre confrère d'Algérie en a plus ou moins parlé, mais pour aller dans les détails, il y a une loi qui s'appelle loi Chani, qui n'a pas parlé que de père et de mère, mais qui a surtout aussi parlé de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Est-ce que le fait qu'on ne parle plus autant, sinon plus du tout, de cette proposition Chani, signifie que la promesse du président de la République d'éventuelle future double nationalité est passée au calendrier grec? Merci. Merci. Alors, on va répondre, ça vous a fait beaucoup de questions, on va y aller. Après, on va faire encore un dernier tour. Vous aviez une question, madame? Oui, vous aviez le bras? Oui. Allez-y alors, comme ça, on prend quelques questions. Toujours sur la sécurité à l'est du pays. En discutant avec Madame Rislaine Zonda de RTBF.
En discutant avec la société civile, on se rend bien compte qu'il y a une incompréhension sur les méthodes et la stratégie utilisée par le Préciser, excusez-moi de vous interrompre, préciser que vous venez du terrain. Je viens du sud et du nord Kivu, où j'ai abordé toutes les questions sécuritaires, mais aussi l'environnement, donc j'avais énormément de questions à vous poser, en fait. Allez-y. Et c'est vrai que sur la question de la sécurité, la société civile ne comprend pas la stratégie utilisée pour lutter contre cette insécurité, notamment l'état de siège. État de siège qui prive la liberté des citoyens, qui, à sa tête, est représenté par des anciens combattants qui ont commis des actes, pour certains, plutôt graves dans les conflits précédents. Tommy Tomboué, par exemple, impliqué dans le programme de désarmement est très critiqué, pour ne citer que lui, mais il y a d'autres personnalités comme Gabriel Amissi qui est aussi critiqué pour avoir été promu général. Et puis il y a aussi la question finalement de la justice. Pourquoi ne pas associer cette stratégie sécuritaire à une justice transitionnelle qui est demandée par de nombreux Congolais, pas seulement le docteur Mukwege, mais aussi beaucoup d'autres Congolais, qui ne comprennent pas pourquoi on ne met pas en place un mécanisme judiciaire. Alors on parle de mécanisme de tribunal pénal international, alors ça c'est compliqué parce qu'on sait très bien qu'il faut un consensus au Conseil de sécurité de l'ONU, mais il y a d'autres mécanismes, des chambres mixtes. Il y a des mécanismes de transition, justice transitionnelle. Si je peux me permettre aussi, la deuxième question, c'est concernant... Allez-y. C'est l'environnement. Donc je reviens du parc des Virunga, vous l'avez cité tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on voit bien l'État engagé dans la protection de ce parc par le biais de l'ICCN. Mais concrètement, que va faire l'État pour lutter contre le déboisement, sachant que je rejoins mon collègue tout à l'heure, il y a des coutumes, le makala, l'usage du makala, les Congolaises en particulier, je leur rends hommage parce que je les ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, ont besoin de ça pour nourrir leur famille, et donc ça paraît être une équation difficile à résoudre pour lutter contre le déboisement. Et puis, est-ce qu'il est vrai que le gouvernement va lever le moratoire sur l'attribution des concessions forestières? Ça fait peur à de nombreuses ONG qui défendent l'environnement. Elles craignent que ce ne soit une opportunité pour donner libre cours à l'exploitation industrielle dans les forêts. Merci. Beaucoup de questions. Alors, si vous le permettez, j'ai une question méthodologie. On va regrouper ça. Un volet sur la presse et sur la RTNC, la réforme, quid, où vous en êtes, monsieur le ministre. Deuxième volet, si on peut parler, c'est la diaspora et la problématique de la double nationalité. On va y venir. Troisième volet, c'est RAM, gratuité, deux dossiers difficiles. Où ça en est? C'est l'interpellation qui vous a été faite. Quatrième dossier, c'est celui de la sécurité à l'Est, les incursions, les menaces sur Goma et peut-être aussi, justement, l'état de siège et la situation dans le parc Virunga. Mais avant ça, pour faire le lien avec votre réponse précédente, allons-y sur la dernière question de Mme Kunda. C'est un petit peu la question de l'adaptation face au changement climatique. Donc, cette question sur les pratiques courantes, les cultures... on va parler du moratoire justement, et le moratoire aussi sur les forêts, parce que à Glasgow, notamment la signature entre le président et le premier ministre Boris Johnson du CAFI, avec un montant de 1 milliard, dont 500 millions sur les 5 premières années, donc c'est 1 milliard sur 10 ans et 500 millions sur les 5 premières années, notamment pour préserver la forêt congolaise, et ça va aider à l'adaptation, notamment pour les populations autochtones, ce qui est une première en l'occurrence. Alors, monsieur le ministre, si vous voulez bien répondre là-dessus. Alors, sur la question du moratoire, nous en avons parlé parce que depuis que nous sommes au gouvernement, la ministre Eva Zaïba de l'Environnement a proposé une série de mesures parce que nous voulons avoir instauré la bonne gouvernance.
il y a une décision de moratoire qui avait été prise sur les concessions forestières. Mais lorsque le gouvernement décide, on dit on va lever le moratoire, mais nous connaissons les motivations qui ont conduit à la décision sur ce moratoire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème de conscience. C'est-à-dire comment nous, gouvernements, je ne voudrais pas aborder et parler de souveraineté, c'est un mot que je n'affectionne pas particulièrement. Mais on a le droit de disposer de ce que nous avons comme potentiel. Mais nous savons ce que cela représente aussi pour l'humanité. Ça veut dire que dès lors que nous, on décide de lever le moratoire, sur cette question, j'ai discuté avec l'ambassadeur américain britannique à ces sujets spécifiquement, il a des appréhensions qui sont partagées. Et c'est des appréhensions qui sont prises en compte. À ma connaissance, je ne suis pas ministre de l'Environnement, je ne suis pas sûr qu'elle a déjà attribué une concession forestière pour le besoin industriel. Je ne suis pas sûr. Mais même si elle devra le faire le moment venu, elle le fera de la manière la plus rigoureuse possible. Et c'est justement ça aussi la question que nous nous posons en termes de contrepartie. Parce que nous, on ne peut pas nous aliéner définitivement nos forêts sous prétexte de protéger l'humanité, alors qu'il y a des gros pollueurs qui, je suis désolé, they don't care about us, quelquefois. Et donc, mais c'est des questions, à mon avis, qui sont suivies de près et pour lesquelles, soyez sûrs, madame, que les mesures, quand nous déciderons d'attribuer les concessions forestières, cela tiendra compte de toutes ces nécessités, de tous ces besoins. Et s'il ne faut pas le faire, nous ne le ferons pas, mais il ne faut pas nous empêcher de vouloir disposer de ce que nous avons. Alors, lutter contre le déboisement. Vous savez, madame, j'ai dit tout à l'heure que nous vivons dans la forêt. Encore que sur le Virunga, beaucoup, hein, des cas de déboisement, tout ça, c'est de l'œuvre de groupes armés qui se nourrissent de ça aussi. Et c'est bien dommage parce que c'est un patrimoine protégé par l'humanité. Mais quelle est l'alternative? Aujourd'hui, il faut aller vers le gaz, comment on appelle, il faut aller améliorer. Il faut aller vers des foyers, améliorés. Il y a des programmes qui existent, mais c'est des programmes qui doivent être financés. Est-ce que c'est nous qui le finançons comme gouvernement? Oui, on a essayé à un moment, je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai suivi un programme comme celui-là, mais après, il faut que cela s'efface de manière industrielle, parce qu'il faut changer les habitudes. Ce que vous avez vu, madame, c'est des choses qui existent depuis 20, 30 ans, 40, 50 ans, on est né dans ça. Et donc, si nous voulons apporter cette révolution, il faut nous assurer que l'alternative est disponible et que les gens comprennent son fonctionnement, son bien fondé. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'adaptation, ou d'atténuation, ça veut dire qu'il y a une véritable composante en termes de sensibilisation, de travail qui doit être fait pour aller expliquer à la maman qui fait la culture sur brûlis que lorsque vous brûlez là, vous pensez avoir de la fertilité pour vos prochaines plantations, mais en réalité, vous détruisez. Il faut changer totalement le rapport à la nature que nous avons. C'est un travail qui requiert du temps, et je suis sûr qu'on va le faire. Alors, pour revenir aux questions de notre ami Amina, je crois. Amine. Mais vous savez qu'on va les regrouper, monsieur le ministre, par thématique. Donc, allez-y maintenant sur la presse, sur la presse. Et la RTNC. Sur la presse, moi-même qui vous parle, je crois que mon meilleur boulot, c'était lorsque j'étais comme vous. Je suis passé par le Parlement, aujourd'hui j'ai l'expérience du gouvernement, mais je pense que les journalistes bénéficient d'une très grande marge de manœuvre en termes de critique de tout ce qui ne va pas. Et je rigole quand je parle à des journalistes, que lorsqu'on essaie de critiquer un journaliste, on dit on s'attaque à la liberté de la presse, tout de suite il y a comme un effet anti-balle. Non. En République démocratique du Congo, les secteurs de la presse, comme tous les secteurs, est en crise. Depuis que je suis arrivé, j'ai relancé l'idée de l'organisation des États généraux. Parce que vous avez compris, et vous voyez sûrement dans cette salle, je vois Madame Kunda utiliser son téléphone. Aujourd'hui, les médias classiques, j'ai envie de dire qu'ils sont morts. Les journaux, je ne sais plus combien de gens les lisent. Et d'ailleurs, avec la pandémie de la Covid-19, je crois que c'est encore un coup terrible. Parce que même dans les avions, on ne nous donne plus les magazines, comme c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, tout tend vers ces supports. Et donc, il faut faire une mutation de tous les médias pour arriver vers ça. Mais pour nous, en République démocratique du Congo, le premier défi, c'est d'abord le défi de l'environnement. La loi qui régit la liberté de la presse aujourd'hui est vieille de 25 ans. Elle est désuète. Je suis désolé, en tout cas, beaucoup des dispositions sont désuètes. Il faut la modifier. Il faut faire passer la loi sur l'accès à l'information.
C'est d'ailleurs un enjeu actuel au niveau du Parlement. Il faut regarder la loi sur le statut du journaliste. Il faut regarder la question de la viabilité des médias. Il faut arriver à faire une loi qui permette aujourd'hui de couvrir tout ce qui est presse en ligne, parce que la presse en ligne qui opère en République démocratique du Congo, moi je suis ministre de la Communication, je ne saurais pas vous dire combien de médias en ligne existent en RDC. Simplement, lorsqu'ils commencent à opérer, il n'y a pas un régime légal qu'ils doivent suivre, et certains ne viennent pas, parce que c'est autour d'un téléphone, il est fait, et puis tout le monde peut devenir journaliste et communiquer. C'est ça les tableaux du secteur. Bon, je ne voudrais pas dire ici que le métier, pour ce qui nous concerne, dans le contexte qui est le nôtre, est infiltré, ça veut dire de personnes qui n'ont pas toujours qualité ou qualification, s'exercent, s'ils sont appelés youtubeurs ou je ne sais pas quoi, ou journalistes engagés, il y a des réalités comme ça. Mais nous, on s'est dit, toutes ces questions-là, il faut qu'on en débatte. Alors, j'ai fait passer la question, j'ai soumis la question de l'organisation des États généraux au Conseil des ministres. Cela a été approuvé, y compris par le président de la République, pour qu'ensemble, avec toutes les organisations de la corporation, on rediscute que ce soit les lois, les textes réglementaires, pour que nous puissions aujourd'hui être, nous, République démocratique du Congo, avoir un cadre légal adapté à l'évolution du secteur de la presse au 21e siècle. Je suis allé plus loin. La loi, la modification de la proposition que nous comptons faire, permettra la dépénalisation. Mais même avant qu'on y arrive, on va travailler avec Journalistes en danger, Reporters sans frontières, sur un moratoire pour arriver à la dépénalisation. Alors, il faut faire, j'allais dire, du donnant-donnant, parce que lorsqu'on accorde la dépénalisation, ça suppose que de l'autre côté, il y a des journalistes responsables. Alors, dans les conditions actuelles, je ne sais pas vous garantir de la responsabilité, tout au moins de tous les journalistes. Et donc, lorsque nous irons dans ces états généraux-là, nous aurons l'occasion de préparer et nous aurons l'occasion, à mon avis, de recréer une structure plus contraignante, parce que nous sommes en train de réfléchir. Et je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un ordre de journalistes pour être sûr que, moi, là, il y aura un peu plus de rigueur dans le contrôle, parce que lorsqu'un avocat, vous allez à l'ordre des avocats, l'interpellation est différente que lorsque vous êtes devant un tribunal. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont au cours des réflexions, et nous espérons que nous allons y arriver. Alors, je sais que c'est un sous-entendu dans votre question, la question de la sécurité de journalistes. Moi-même, l'étant ou l'ayant exercé, je sais ce que cela représente. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu un incident malheureux avec Patient Ligodi, j'ai réagi à l'instant. Et je vous dirais que le jour où j'ai reçu un coup de fil d'un journaliste de RFI, j'ai parlé des bavures policières. Il m'a reposé la question 3 fois. Vous avez dit bavure policière. Parce qu'il me semble que du côté ici, généralement, lorsqu'il y a des incidents de ce genre, on ne le reconnaît pas de cette manière. Nous, nous considérons et nous comptons sur les médias pour nous accompagner dans la marche vers la démocratie. Et donc, lorsqu'il y a des dérapages comme ceux-là qui arrivent, nous tapons du poing sur la table pour que cela ne se reproduise pas. C'est pour ça qu'il y a des plateformes de discussion. Par exemple, pour ce qui concerne l'état de siège, on a mis en place un système d'accréditation, de signalement. Que tous les journalistes qui veulent aller dans la sous-région, au moins, que nous soyons au courant. Parce que dans cette zone, malheureusement, on a perdu récemment un ambassadeur, dans des circonstances tragiques. Et on ne voudrait pas qu'il y ait des incidents de ce genre. C'est pour ça que nous demandons toujours en amont aux journalistes qui veulent y aller de nous aviser en avant, non pas pour les contrôler, mais pour être sûr qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement nécessaire par rapport à la spécificité de la région. Et je terminerai en disant qu'on a mis en place un mécanisme avec Journalistes en danger, l'armée, les services de renseignement, qui permet par exemple aux journalistes qui se sentent menacés dans un coin du pays de se faire signaler, et on peut même envisager de les déplacer. Si vous êtes menacé à Mambasa ou à Ituri, on vous amène à Kinshasa pour nous assurer que vous avez la sécurité. En tout cas, vous avez vu sur ces podiums, vous avez 3 journalistes professionnels qui aujourd'hui sont en commande de la direction de la presse. Ça veut dire qu'il y a une volonté pour que les secteurs, les questions de la presse puissent être bien prises en charge. Alors, au sujet de la RTNC, Madame Hilda, vous pouvez être sûr que je ne suis pas contre.
Mais malheureusement, c'est un peu les secteurs à crise à l'image de tout pays. Et ce qui est encore plus grave avec la RTNC, parce que c'est elle qui exporte notre image en dehors du pays. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous avons déjà engagé un programme de réforme qui a commencé par ces concours que nous avons fait autour du logo. Peut-être que les gens n'avaient pas encore perçu l'idée que nous avions derrière, parce qu'on pouvait s'enfermer avec nos techniciens et produire un logo. Mais si on a fait un concours, il y a eu 650 propositions. Je présume que sur chaque logo, il y a eu au moins 5 personnes qui ont travaillé pour décliner toute la charte graphique. Ça veut dire qu'il fallait qu'on sente qu'il y a de l'intérêt autour du sujet. La RTNC aujourd'hui, il y a une chanson qui est sortie qui interpelle. Hein, le signal de la RTNC, un peu comme une machine d'échographie. Nous ne sommes pas insensibles. Et donc aujourd'hui, nous avons les logos. Et pour le moment, nous travaillons à l'implémentation, à préparer la charte graphique qui va accompagner. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sans les personnes qui travaillent et l'esprit qui est là-bas. Je suis désolé, l'esprit que nous percevons là-bas, malheureusement, c'est parfois vieux. Parce qu'on a été habitué dans un certain contexte où, quand il y a un président de la République, on va être sûr que celui qui soit les plus vus matin, midi et soir, mais c'est contre-productif. Heureusement que les présidents de la République, on en a discuté en Conseil de ministres, cette question, il est totalement d'accord avec moi. Et donc, le moment venu, nous allons faire travailler avec eux, parce que la RTNC, c'est elle qui a produit tous les autres médias. C'est incroyable de voir que ce sont nos meilleurs, entre guillemets, qui ne produisent pas un travail de qualité. Alors, une fois, j'ai discuté avec les responsables, il m'a dit, c'est la ligne éditoriale. Je leur ai posé la question, qui l'a définie, cette ligne, monsieur le ministre. Je n'ai jamais demandé à voir la grille de programme de la RTNC, encore moins le conducteur du journal. Et donc, aujourd'hui, il faut être en mesure aussi de faire un renouvellement. Ça veut dire qu'il faut mettre la RTNC en connexion avec l'IFACIC, les facultés catholiques, pour que progressivement nous puissions apporter du renouvellement en termes de visage, en termes de... Ceci ne veut pas dire qu'on va exclure les vieux, mais il faut aller vers la réforme où on laisse de l'espace aux jeunes générations, parce qu'aujourd'hui les médias c'est une vraie mutation. Ensuite, il y a un programme d'investissement. Parce que normalement, la RTNC est un établissement public qui ne devrait plus être financé par le gouvernement. La RTNC devrait être financée grâce à la redevance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé du RAM, on y reviendra, est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont prêts à commencer à payer pour la RTNC? C'est une question que je me pose. Mais entre-temps, nous, les gouvernements, nous subventionnons pour à peu près 3 millions de dollars le mois. La RTNC, essentiellement pour payer les personnels. Et donc, et là, de ce point de vue, j'ai relancé les processus des perceptions de la rédévance, parce qu'il y a 9 actes générateurs avec les télédistributeurs. On présume que ceux qui achètent des bouquets peuvent avoir la possibilité de payer un pourcentage qui nous permette de financer et tous les véhicules. Donc c'est un processus que je suis étroitement, parce que pour moi l'objectif, je peux peut-être échouer dans tous les domaines, mais il ne faudrait pas que j'échoue pour ce qui concerne la RTNC. On ne me le pardonnera pas. Et ça, c'était un travail qui est très difficile parce que ça doit agir sur nos habitudes. Je vais terminer en disant sur ces points précis que pour moi, il faut mettre beaucoup de culture à la RTNC. Parce que malheureusement, il y a une prépondérance de la politique, et la politique, c'est tout ce qui nous divise. Aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux que vous avez, les Congolais nous sommes très divisés. Peut-être parce que nous ne nous voyons pas, c'est que nous partageons. Qu'est-ce que le Congolais de Kasumbalesa partage avec le Congolais de Bujala? Qu'est-ce que le Congolais de Arou, dans la frontière ougandaise, partage avec les Congolais de Songololo? C'est la RTNC qui nous réunit. Mais c'est pour ça que lorsque nous étions dans la région, Eric Ngo est avec nous, et le président de la République, nous avons fait le direct à partir de Beni, qui vivait dans une forme d'omerta depuis tout ce qui se passait là-bas, et les journalistes de la RTNC ont failli même se faire lyncher par la population. Mais vous avez vu que nous avons donné la parole aux ressortissants de Beni, et vous avez vu ces jeunes Jason interpeller les présidents de la République en direct. Ça veut dire qu'il y a une vertu à travers les médias. Et nous, nous allons nous assurer que la télévision nationale serve à la diffusion de la culture, des choses qui nous ressemblent. Pourquoi on ne parlerait pas de notre tourisme? Mon collègue me fait le privilège de me rejoindre ici. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tellement de choses à partager, nous comptons sur cette machine. Il y a des défis, nous allons les relever ensemble avec les journalistes.
parce que la question de la RTNC fera même l'objet d'une discussion au cours des États généraux, l'avenir des médias publics. Merci. Pour rappel, la date des États généraux, ce serait quand? Enfin, une période peut-être? Alors, disons, on parlait du 18, mais nous ne serons pas prêts parce que ces séjours ont pris beaucoup de temps. Mais avant la fin de l'année, nous ferons les États généraux, de sorte qu'on commencera 2022 avec des objectifs précis, surtout en termes de préparation des lois. Excellent. Merci, monsieur le ministre. Alors, on avance, hein, parce que le temps passe malheureusement. Alors, allons maintenant. On salue bien sûr la présence de son Excellence, monsieur le ministre du Tourisme. Et de ce point de vue, peut-être quand on abordera la question de l'insécurité à l'Est et du parc des Virunga, peut-être que s'il veut bien... C'est l'autorité des tutelles. Voilà, oui. Monsieur le ministre du Tourisme pourra peut-être dire quelques mots. Monsieur Modéro, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin, enfin cet après-midi d'ailleurs. Alors allons-y sur la question de la diaspora. Peut-être très vite, on vous a posé la question par Amine et puis aussi par Monsieur Lusakweno. À la fois, quelle est aujourd'hui la stratégie? On se rappelle qu'au début de son mandat, le président Tshisekedi avait appelé la diaspora à dire « Venez apporter votre pierre à l'édifice de la renaissance, si je puis dire, de la RDC, où ça en est ?» Et puis aussi la problématique de la double nationalité. Et alors, M. Sakona a évoqué ce projet, si on peut dire, de loi Tchani qui aujourd'hui est un petit peu parti, a disparu. Mais très vite, hein, il y a une mesure qui a été prise, peut-être que les gens ne s'y rendent pas compte, que lorsque vous avez un patronyme congolais, même si vous avez pris la nationalité belge, on vous donne les visas à l'arrivée. Je pense que beaucoup doivent l'avoir expérimenté. L'idéal pour nous, et le président de la République, nous tous on est d'accord là-dessus, il faut ouvrir la langue. Il faut permettre aux Congolais d'avoir plusieurs nationalités. Mais il y a un schéma pour y arriver. Parce que lorsqu'on soulève la question de la nationalité à RDC, on soulève des vagues. On pense tout de suite qu'il doit y avoir exclusion, on pense tout de suite qu'il y a besoin de cela. Les enjeux du développement de la République démocratique du Congo nécessitent la présence de tous les Congolais qui s'y trouvent. Ce n'est pas parce que vous avez pris une nationalité pour votre passeport que cela vous détache de votre terre. Et donc il y a des choses qui doivent être faites en interne pour faciliter les retours de Congolais à l'étranger, et nous, les gouvernements, on est engagés là-dessus. Alors, le paradigme. La question de Lusakweno vient tout de suite. D'abord, on a parlé de M. Tchani, on a essayé de politiser cette initiative-là, mais M. Tchani, nous le connaissons tous, c'est un Congolais qui soulève des sujets. Il a soulevé un sujet qui est passionnant, parce que lorsqu'on parle de nationalité en RDC, il y a forcément des voix qui s'élèvent dans un sens ou dans un autre, premièrement. Deuxièmement, M. Tchani a rencontré un député qui a porté l'idée. Les députés ont porté le sujet à l'Assemblée. On a dit tout de suite, ah voilà, c'est l'ivoirité, on veut le faire pour exclure tel ou tel autre candidat. Mais c'est totalement faux. On ne peut pas, nous, gouvernement, dans un contexte qui se veut démocratique, empêcher à un député de prendre une initiative. Pourquoi nous lier? Parce que lorsqu'on parle d'ivoirité, vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité de ces concepts. En Côte d'Ivoire, c'était une stratégie du gouvernement. En RDC, jamais, moi je suis porte-parole du gouvernement, en aucune manière, le gouvernement ne s'est prononcé dans un sens ou dans un autre pour une telle initiative. Pourquoi faire le lien direct entre une initiative? Il y en a plusieurs qui éclosent en termes de débat, de société. Dire, bon voilà, c'est les gouvernements qui est derrière parce qu'on veut. Non, totalement faux. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'Assemblée nationale, de par ses mécanismes, n'a pas pu aligner cette loi. Parce que pour qu'une proposition de loi puisse être alignée au débat, elle doit répondre à des préalables de constitutionnalité, de ceci, de cela. Et cette proposition a échoué d'elle-même. Et donc, pour nous, l'idée, c'est d'aller vers l'ouverture de la nationalité, mais cela doit se faire dans un cadre. Et les débats sur la nationalité, même aujourd'hui, si on décide de faire l'ouverture de l'article 10 de la Constitution, de revoir le code de la nationalité, je suis sûr que les gens vont dire qu'ils veulent exclure tel ou tel. Et ça vicie alors tous les débats et on reste en état. Mais entre-temps, il y a des mesures, des facilités, comme notamment celle-là, qui permettent d'avancer. Alors on avance, monsieur le ministre, merci en tout cas pour ces éclaircissements. On avance, on va sur le dossier
du RAM. On dit le RAM ou la RAM d'ailleurs ? Le RAM. Hein. Registre d'appareil mobile. Oui, voilà, exactement, donc le RAM. Et alors aussi de la gratuité, question posée par madame, pour savoir où ça en est. Alors peut-être très rapidement, si vous pouvez éclaircir l'opinion là-dessus. Sur la question du RAM, j'ai dit au départ que c'est une. Il y a eu un problème de communication là-dessus. Je ne voudrais pas aller dans les détails techniques, mais je sais qu'il existe une. Il y a un besoin dans tous les pays du monde de contrôler les téléphones qui sont vendus et de ne pas laisser passer des téléphones contrefaits. C'est un service qui existe ici. Ce n'est pas une invention congolaise. Mais bon, après, on peut discuter de l'implémentation, de la manière dont l'implémentation a été faite, mais on ne peut pas récuser les besoins de départ, qui est celui de contrôler les téléphones auxquels les populations ont accès. Et donc, mais pour le reste, il y a eu une décision du gouvernement de supprimer pour le téléphone à 2G, et pour le reste, il y a un processus technique qui est en cours, le moment venu, on communiquera dessus. Sur la question de la gratuité, je crois que nous étions en réunion avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a félicité le président Tshisekedi. Il lui a dit, vous vous mettez plus dans l'éducation que nous on en met. Je parle les chiffres exacts, mais l'enveloppe que nous accordons au secteur de l'éducation doit varier entre 17 ou 22%. Boris Johnson avait parlé de 22%. En Grande-Bretagne, c'est 4 ou 5% qui consacrent à l'éducation. Le président lui a dit, vous ne devez pas faire cette comparaison-là, parce qu'on est dans des contextes différents. Il dit non, je ne fais pas de comparaison, mais je regarde l'effort que vous faites comme gouvernement en privilégiant cette question. Alors, lorsque les gens nous opposent la gratuité aujourd'hui comme problème, je suis sûr que c'est des mauvaises foi. Pourquoi ? Parce que c'est une obligation constitutionnelle. La Constitution a été publiée depuis le 18 février 2006. Nous sommes en 2019, 13 ans plus tard, on ne l'a jamais appliquée. Non pas qu'il n'y avait pas forcément de moyens, mais c'était d'abord une question de volonté. Parce que la volonté politique de parvenir à la gratuité dépasse de loin tous les écueils qu'on rencontre dans sa mise en œuvre. Personne n'avait pensé que ça aurait été facile. Lorsque vous ramenez 4 millions d'enfants à l'école, ça vous pose tout de suite un problème d'accessibilité, un problème de qualité, un problème de recrutement des enseignants. Et la gratuité coupe court à une pratique qui nourrissait les réseaux. Entre guillemets, parce qu'il y avait la prise en charge des enseignants par les parents. Donc, lorsqu'on décide de les couper, il y a forcément certains intérêts qui sont mis à mal. Ce n'est pas forcément les intérêts au sens négatif du terme. Mais maintenant, le gouvernement doit travailler à être sûr que le programme de la gratuité soit bien implémenté. Nous avons des écoles de différentes catégories. Toutes les écoles ne sont pas déjà la même enseigne. Je crois que c'est le travail qui est fait. Mais sur cette question de la gratuité, il faut justement que tout le monde se mette à l'évidence que c'est là, il ne faut jamais la politiser. C'est l'avenir de nos enfants. On peut nous accrocher sur tout, mais on ne peut pas s'accrocher sur l'éducation, sur l'avenir des enfants. Nous, gouvernement, aujourd'hui, même si nous mettons tous les budgets, 5 ou 6 milliards, on met tout le budget de l'État congolais dans le programme de l'éducation, on ne règle pas tous les problèmes. On a 800 000 enseignants pour à peu près 20 millions d'élèves. Mais s'il faut regarder le ratio, ici en Occident, il faut peut-être un élève, il faut peut-être un enseignant pour 20 élèves. Vous allez voir que nous avons des gaps impressionnants. S'il faut regarder, rapprocher l'école, parce qu'il y a des enfants qui font 10 km à pied pour arriver à l'école. C'est des défis colossaux qui n'ont pas trouvé de réponse durant 10, 15, 20 ans. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que c'est un début qui est bon et il faut améliorer en avançant. Et c'est ce que nous faisons chaque année. Au Conseil des ministres, il n'y a pas un sujet qu'on a le plus abordé comme celui-là. Parce que pour nous, c'est cela, faire quelque chose pour les jeunes de la RDC. Pour simplement conclure cette rencontre que l'on a eue avec la presse. Allez-y, professeur. Merci. Mais écoutez, en conclusion, que dire d'autre sinon d'abord de vous remercier pour l'attention et l'intérêt que vous portez à ce qui se fait dans notre pays. Je crois que toutes les questions qui ont été soulevées ici, ce sont des questions qui vont appeler certainement, dans leur évolution future, qui vont appeler l'intervention ou l'intérêt de chacun d'entre nous.
En ce qui concerne le chef de l'État, le président de la République, je continue à affirmer que son engagement est entier sur toutes les questions qui ont été soulevées ici, et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui nous venons de Glasgow, où le monde entier a les yeux aujourd'hui focalisés sur la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on a un potentiel énorme, mais un potentiel, ça ne fait pas nourrir son homme. Un potentiel, il faut savoir le transformer, et c'est donc vers là que doit converger notre effort, c'est vers là que doivent converger toutes nos attentions et tout ce que nous pouvons avoir comme, comme effort à fournir. Voilà ce que je pourrais dire en conclusion. Merci, professeur. Monsieur le ministre, c'est à vous aussi. Bah, je vais terminer en disant, Wendy, bon, vous poserez votre question après, sans doute. Une habitude avec Wendy. Bon, Eric, on peut lui accorder quelques sa question. Bon, allez-y, Wendy, allez-y, allez-y. Merci. Allez-y. Mais vraiment, de façon succincte, parce que le temps passe et il y a des idées. J'ai trois questions et ça va aller très loin. Passez le micro, Julie. Merci. Merci, monsieur le ministre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la culture. On a entendu beaucoup parler de sécurité, on a entendu parler d'économie, vous avez parlé de culture, vous avez dit qu'il est temps de remettre la culture au sein de la RTNC, je vous cite. Deux petites questions. Récemment, à Kinshasa, il y a peut-être 2-3 jours, il y a eu la clôture du Festival international du cinéma de Kinshasa, qui est porté par un jeune qui s'appelle Jober Kabambi. Quelques semaines avant, il y avait le festival du cinéma des femmes qui est porté par une jeune congolaise qui s'appelle Clarisse Mouba. Ces deux jeunes, je les connais depuis peut-être 10 ans, ils portent ces initiatives à bras le corps, seuls, sans être soutenus par l'État congolais. L'année dernière, en 2020, pendant la pandémie, pour la première fois de l'histoire du cinéma de la République démocratique du Congo, on a eu un film qui a été sélectionné à Cannes. En catégorie officielle, la première fois, un film congolais. Et ce film était éligible aux Oscars. Mais personne n'en a parlé. Monsieur le ministre, vous parlez de changer le narratif. Le changement du narratif, ça passe par les images. Ça passe par la manière dont on se représente. Ça passe par la manière dont on se raconte. Et on se raconte à travers notre cinéma. On a du potentiel en République démocratique. Ce pays est un pays cinématographique. On a eu félicité d'Alain Gomis, qui a été aux Oscars, qui a été entièrement tourné en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour ce secteur? Qu'est-ce que vous dites, vous qui voulez changer le narratif? Vous êtes l'homme du changement du narratif. Qu'est-ce que vous leur dites? Dernière question, vous ne m'avez pas convaincu sur Ninito Salité. Sûr. Ninito Salité, je n'ai pas été convaincue par votre réponse, mais vous avez l'habitude, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de guerre. Je pose la question. Posez votre question. Dans la chanson de MPR, à un moment, les jeunes ils disent Bisonde Totambusaka, Shimoki, Tamakas. On a des jeunes aujourd'hui qui ont du mal à rêver en République démocratique. On a des jeunes aujourd'hui qui consomment de la drogue pour s'évader. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous êtes jeunes comme nous, c'est ça qui vient avec vous, c'est qu'on peut vous interpeller, on peut vous apostropher, vous allez vous répondre. Vous leur répondez quoi? Au lieu de dire ni mitosalité et ticali du sous-tosala, oui, mais quoi? Qu'est-ce que vous faites pour soutenir les jeunes, les entrepreneurs, toutes ces personnes dont je viens de vous parler? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on se prend les bras? Comment est-ce qu'on se prend la main? Comment vous prenez la main des jeunes pour bien changer le narratif de manière efficace? On compte trop sur le pays, madame Wendy. Notre pays a quoi? Je suis désolé, moi, je ne crois pas au culte du potentiel. La richesse est matérielle. Vous ne pouvez pas dire, bon, on a le coton, le cobalt en dessous de nos terres. Non, pas du tout. Il faut avoir des gratte-ciels. C'est la preuve que vous avez eu de l'intelligence pour transformer ce que vous avez dans les sous-sols. Depuis 60, à quel moment on a fait l'économie pour ce pays? Est-ce qu'on a même déjà discuté quel est le modèle économique de la RDC? On dépend des mines et tout ce qu'il y a, quoi, tout ce qu'il y a autour. Donc aujourd'hui, il ne faut pas forcément penser que nous, on doit nous sentir particulièrement stigmatisés par nous. C'est une interpellation que je considère comme collective. Et rien ne peut excuser, madame Wendy, excusez-moi de vous le dire de cette façon, rien ne peut justifier
l'addiction à, je ne sais pas, Bombay ou je ne sais pas quoi. Sinon, tout le monde s'y perdrait. Et tous ces jeunes qui réussissent, vous parlez des Kléber, le père qui travaille comme s'il y travaille avec lui. J'utilise son matériel pour mes productions. Posez-lui la question, il vous dira. Mon collaborateur qui est derrière peut vous dire, je peux vous donner son numéro par cœur, Madame Ondi. Et donc, moi-même, je suis un fan de cinéma. Je suis un fan de cinéma. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille étroitement avec le panel des experts de l'Union africaine. Vous avez vu, je fais un briefing avec le prof Toubanova. Et nous avons une série d'activités culturelles que nous sommes en train de préparer dans ces cadres, Madame Ondi. Donc, il ne faut pas considérer que nous, comme gouvernement, nous sommes... En un point, on dit que les jeunes doivent être venus. Non, il y a un effort collectif à faire dans la construction du pays. Notre gouvernement, les gens n'en parlent pas assez. Quand je veux rentrer, je veux faire un briefing avec mon collègue de PME. On a donné 100 millions de dollars aux PME congolaises. Il faut qu'eux-mêmes en parlent. Parler à Pascal Canic de Soulab. Je peux en citer autant. Ce ne sera jamais autant par rapport aux millions de Congolais. Ce ne sera jamais assez, 100 millions de dollars. Là, on a besoin peut-être de 80 milliards de dollars. Il faut avoir la culture de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans une forme de société où les gens ont développé ici une forme d'envie, où nous vivons dans une forme de société qui est méchante. Regardez la nature de nos conversations sur les réseaux sociaux. Où le Congolais, pour lui, lorsqu'un autre avance, il faut trouver un mécanisme pour les retarder, les reculer. C'est la culture. Lorsque je parle de culture, c'est cette culture qu'il faut changer. Je suis ministre de la communication, mon collègue du tourisme est là, ma collègue de la culture le sait. Je lui ai dit que je lui offrirais en blaguant, à l'occasion de la semaine touristique, la RTNC. Parce que je pense que ces films dont vous parlez, il faut les mettre sur les antennes de la chaîne nationale. Il n'y a pas de programme des jeunes. J'ai commandé un sondage avec l'UNICEF qui est sorti cette semaine. Je vous le partagerai. Pour dire quelles sont les attentes des jeunes pour la RTNC. Ils veulent plus de culture, plus de programmes pour les jeunes. Mais pourquoi pensez-vous qu'on a commandé ces sondages? 1 million d'interrogés, je vous l'enverrai, sur le pays, sur les attentes de jeunes par rapport à la chaîne nationale. Donc il ne faut pas considérer qu'il y a un abandon de l'État, mais il faut aussi dire à ceux-là de nous approcher. Il faut nous approcher et comme ça, le changement de narratif, Eric, pardon, cher Bina. Dans les changements de narratif, c'est nous tous qui sommes des acteurs. Lorsque vous dites pas du bien de votre pays, comment vous voulez attirer les touristes? Lorsque vous pensez que vous n'aimez pas la tête des dirigeants ou la tête de vos gouvernants, que les pays, les gens ne doivent plus venir, ou que tout ce qui s'y passe est forcément mal, mais qu'est-ce que vous faites de votre pays? Donc je compte sur vous pour travailler avec tout dans le changement du narratif. Vous portez bien les concepts, vous avez les réseaux qui vont, on le verra ensemble. Merci. Oui, pour moi, c'est... Merci beaucoup.